Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire le rattrapage de ce qu'on n'a pas eu le temps de finir hier. Et après, on passera, puisque c'est vendredi, à la lecture des patates chaudes. Et pour mémoire, hop, pendant ce temps-là, je calme ma fenêtre. Comme ça. Pour mémoire, quand on aura fini la lecture, l'autrice Katia Yacoubi viendra nous rendre visite sur ce stream et on pourra papoter et vous pourrez surtout lui poser vos questions par rapport à ce livre, par rapport à ce qui vous a interpellé, ce qui manquait peut-être d'après vous, etc. Enfin voilà, nous pourrons échanger avec elle. Demain, on reçoit Ankara, militante anti-grossophobie et pote à moi. Je vais me la péter un petit peu. Pote à moi depuis des années. Salut Jashugan, salut Floé. Ok, je bois un coup. Déjà. Voilà, ça y est, j'ai bu. Donc voilà, samedi Ankara, lundi Yann Godin, le lanceur d'alerte de Pôle emploi, dont vous avez forcément déjà entendu parler. Alors, je vous propose d'attaquer directement avec les pépites. Hans Bardin. Donc ça, mocassin à gland, l'inverse, la base. La base. N'oublions jamais de tacler BHL, ça fait toujours du bien. Je vais me recaler un tout petit peu. Voilà, là on est mieux. Salut Donio! Ça faisait super longtemps. Bah alors. Donc, n'oubliez pas, tacler un faux philosophe comme BHL, Enthoven, Finke, c'est une question d'hygiène, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et somme toute, c'est un sujet qui réunit beaucoup de monde. Franchement, à part BHL et sa femme, qui n'est pas d'accord pour tacler BHL ? Même sa femme, peut-être, des fois, elle en a marre. J'oubliais, en attendant, les follow hors ligne. Donc, merci Rimkbixel pour le follow. Et non, Tablon, j'ai dit hier, c'était toi en toute fin de stream. Donc, c'est bon, je suis à jour. Ensuite, alors, petit conseil déco. Tu ignorais ce qu'étaient les mocassins glands, c'est parce que tu n'es pas de droite. Si tu étais de droite, tu saurais ce que c'est que les mocassins glands. Forcément. Ou si tu avais mon âge, parce qu'il y a un moment... c'était quelle période ? Il y a un moment où quasiment tout le monde portait soit des chaussures bateau, soit des mocassins glands parce que c'était la mode. Donc on a même vu des prolos avec des mocassins glands. La différence, c'est que les prolos, après, ils ont arrêté les mocassins glands ou les chaussures bateau. Les autres, ils n'ont jamais arrêté. Ils sont nés avec, quand ils sortent du ventre de leur mère, les bébés, ils ont déjà les mocassins glands au bout des pieds ou les chaussures bateau. Il faut le savoir. Alors que les pieds de prolo, bah, ils arrivent tout nus. C'est logique. C'est logique. Donc, petit conseil déco. Acheter des crânes et des squelettes en plastique pour Halloween. Utiliser des os naturels et compostables de millionnaires. Tuto déco. De toute façon, c'est pas très joli. Non, c'est pas très joli. C'est pas très joli. Faut croire que les droitos, ils sont tellement masculins que même sur leurs mocassins, ils ont besoin de mettre des glands. Je sais pas. Ensuite, un texte de Monsieur le Prof qui parle de la rentrée. Ouais, c'est tentant, Donio. Hein. C'est tentant et puis...
Puis c'est mieux pour la nature. Savez-vous que la poussière d'os constitue un excellent engrais naturel? Je dis ça, je dis rien. Si vous tenez à vos plantes, faut voir. Même dans leurs mocassins. Oui, dans les mocassins, il y a des glands aussi. Il y en a dessus, il y en a à l'intérieur. Ouais, tout à fait. Donc, ce témoignage de monsieur le prof. Hier, j'ai à nouveau fait passer les évaluations nationales de français, maths de 6e, et encore une fois, quel enfer. On aime bien évaluer, faire des stats, s'indigner des résultats, pointer les profs du doigt au passage. C'est toujours la faute des profs, hein. C'est jamais la faute du système dans lequel ils évoluent tant bien que mal. Et surtout, ne rien faire pour changer la donne. Au hasard, arrêter de supprimer des postes pour ensuite tomber des nues quand il manque des enseignants devant des classes. Et arrêter de faire en sorte que les effectifs explosent, par exemple. Et donc là, les petits sixièmes arrivent au collège, ont 3 semaines pour se faire un mode de fonctionnement totalement différent de l'école primaire, et bam, c'est parti pour l'évaluation nationale. On banalise une matinée et on met les élèves face à des ordis pour leur faire faire des QCM. Ils ont 50 minutes pour faire le QCM. Oui, Gigilou, oui, ça a commencé, l'émission a commencé. Oui, l'émission a commencé. Donc, ils ont 50 minutes pour faire le QCM. Une heure de cours, c'est 55 minutes. Et il faut donc les accueillir, les installer sur les ordinateurs, faire en sorte qu'ils se connectent à leur session, qu'ils trouvent le raccourci vers le site où a lieu l'évaluation, qu'ils trouvent le menu pour faire l'évaluation, parce qu'évidemment, il y a 5 choix proposés, et qu'ils rentrent leur identifiant à 14 caractères. Type 37C. 08299555B8082 et leur mot de passe à 10 caractères. Bon, bah là, je vous passe la lecture. À des élèves qui ne savent pas ce qu'est une touche majuscule, ni qu'un clic de validation se fait avec le clic gauche de la souris. Oh, et comme si ça ne suffisait pas, les réseaux dans le bahut sont tellement aux fraises que ça rame à mort. Donc les élèves paniquent, cliquent plusieurs fois, rechargent la page et c'est reparti pour un tour. Pendant ce temps, on demande à tous les professeurs de l'établissement de se déconnecter de Pronote et dans aucun cas utiliser Internet pour éviter de surcharger les connexions. En gros, on paralyse un établissement scolaire pour une évaluation vide de sens. Pourquoi vide de sens? Eh bien parce qu'après avoir passé 20 minutes à enfin se connecter, les élèves n'ont plus que 30 minutes pour faire l'épreuve, qui est supposée en durée 50, je rappelle. Qu'ils n'ont donc pas le temps de finir, mais comme ça sonne et qu'un autre groupe arrive et qu'ils ont cours, ils cliquent tous sur suivant, et hop, c'est fini. J'ai eu des élèves qui ont pleuré parce qu'ils n'ont pas pu finir l'épreuve à temps alors que c'était juste impossible. Tout ça pourquoi? Sérieux, c'était déjà pareil l'année dernière, rien n'a été fait pour améliorer ce test ou pour mieux l'organiser. Je me demande vraiment ce qu'on peut tirer de résultat avec quelque chose d'aussi mal foutu. Et vous, comment ça s'est passé, ces petites évals? Un régal? Salut, droit au logement. Alors, bonjour, je sais pas si c'est le sujet, mais je viens juste insulter ce chien de Mister Saucisse parce que j'ai nulle part où le faire. C'est toujours le sujet pour insulter Mister Saucisse. Moi-même, comme tu viens de le comprendre, je ne prononce pas son nom à ce monsieur qui cherche principalement de la visibilité. Et gagne en visibilité, c'est sûr, mais c'est le seul truc qui gagne. Les CP en combien de temps pour la leur? Je sais pas. Si seulement on pouvait prévoir avec 10-12 ans d'avance l'augmentation d'élèves de collège, bah ouais, je sais pas. Par exemple, en regardant le nombre de naissances chaque année, et en se disant, tiens, hop, ça là, ça, dans 11 ans, et bah c'est des élèves de 6e. Mais on n'a pas les outils pour ça, on ne sait pas combien il y a de naissances chaque année, c'est dommage. Tu le peux tant que tu admets que les chiens ne méritent pas qu'on les compare à lui si on parle d'autre chose que d'amour des saucisses. Oui, bien vu, Donio, ne tapons pas sur les chiens. Salut le tchèque. Bonne idée de ne pas lui donner la visibilité qu'il recherche, mais bon, il est là, quoi, il hérisse les poils. Oui. Rappelons que tout récemment... Il a posté une vidéo complètement cringe avec le copain, le hérisson, sans se rendre compte
Parce que le mec, il est tellement au fait de l'écologie qu'il n'a pas compris qu'un hérisson, en plein jour, dans une zone découverte, et qui ne bronche pas lorsqu'on approche le doigt, c'est un hérisson qui est quasiment mort. C'est un hérisson qui a des problèmes, qui est en grosse difficulté physiquement parlant. Mais bon. Ah bah oui, dans 12 ans, c'est 50% d'élèves de 6e, 50% d'apprentis. C'est son projet! C'est ça, c'est ça. Oui, bah oui. Non, mais je te dis, Jashugan, souvent j'oublie les bases, hein, je suis désolée. Hein. Salut H. Comme tout à l'heure, oui, j'oubliais que, par rapport à l'histoire des Black Panthers aux États-Unis, j'oubliais que quand c'est un noir, c'est dangereux. Alors que quand c'est un blanc, c'est pour se défendre. Les gens qui ont des armes, c'est toujours plus dangereux quand c'est un noir, mais j'y pense pas. Et que musulmans, c'est terroriste et tout, je n'y pense jamais, j'oublie tout le temps. Ça veut pas rentrer, hein, ça veut pas rentrer. J'ai mal fait mes devoirs de Macronie. Peut-être parce que je suis pas crache la boule de poil DJ14. Donc là, j'ai titré « Puisse le sort vous être favorable ». C'est un tweet de Louis Boyard qui me plaît de plus en plus. Hein. Pour l'instant, le gars fait un sans faute, y compris dans l'affaire Quatennens d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Louis? Il nous dit que le Crous de Strasbourg fait des jeux concours pendant que les étudiants se serrent la ceinture. Alors qu'un étudiant sur deux ne mange pas à sa faim, le Crous décide de jouer bientôt du tir à la corde pour savoir qui aura le droit de se chauffer. Les suprémacistes blancs, quand ils s'arment, c'est par passion en fait, ils sont absolument pas menaçants. Oui, bah oui, droit au logement, c'est vrai. C'est juste parce qu'ils aiment les armes. C'est pas parce qu'ils se disent, tiens, ça pourrait être cool de tuer des gens avec. Noir de préférence. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Trop déconstruit, il faudrait que je me reconstruise un peu. Mais arrêtez avec la boule de poil là, ça suffit. J'aime pas du tout cette façon de parler de Balrog. Pourquoi j'irais cracher Balrog? Suffit maintenant. Enfin. Donc oui, bientôt le tir à la corde pour savoir qui aura le droit de se chauffer. Bah quelque part oui. Quelque part oui. Parce que rappelez-vous que pour faire des économies d'énergie. Il est question, et manifestement ça va se faire, hein, suite au congé d'hiver, de fermer 2 semaines de plus les universités. Ce qui veut dire que les étudiants les plus précaires, ceux qui vivent dans des piôles qui sont mal ou carrément pas chauffés, qui voudraient aller bosser leurs cours dans le bâtiment de leur fac et ne pourront pas. Donc oui, peut-être bientôt du tir à la corde. Peut-être, peut-être. Le concours complètement indécent. Ah ouais. J'ai appris quelque chose hier sur stream de aller à la Bibli. Saviez-vous que la Révolution française a été en partie financée par les pirates de Caraïbes, qui, soit dit en passant, étaient d'anciens esclaves noirs, mais ils sont méchants. Ah non, je savais pas. Salut marginal. Je savais pas du tout. Oui, il y avait énormément d'anciens esclaves noirs dans les pirates des Caraïbes, ce qu'on appelait les esclaves marrons, notamment. Maintenant, il y a des jeux concours pour bouffer. Bah ouais. Ouais. Donc, puisse le sort vous être favorable. On est dedans là. Hein. On est dedans. J'ai appris ça quelques secondes après toi. Oui, mais je peux pas cracher Balrog pour le libérer parce d'abord il n'est pas prisonnier, hein, comme vous le savez, et ensuite il est surtout pas prisonnier à l'intérieur de moi, quoi. Je veux que les choses soient clairement dites quand même. Hein. On est de Hunger Games, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est marrant parce que c'est peut-être nous autres gauchistes qui avons une vision quelque peu déformée
Parce que, bah, comme tout le monde, on a nos biais. Nous, c'est nos biais de gauche. Je crois qu'on peut difficilement dire le contraire. Et du coup, c'est marrant parce que les dystopies comme ça, eh ben, on arrive vachement à établir des parallèles avec la vie réelle, alors que les gens, ils continuent à voir une dystopie. J14, c'est une commande, je la veux. Mais tu veux vraiment que j'aille chercher une poêle? T'es sérieux, là? Salut, Golavier. Ouais, faudrait que ça devienne Angry Games un peu. Ouais. Ouais. Alors, la colère, elle y est. Elle est là, elle est partout. Hein. Elle est partout, pas que dans nos rangs. Mais ça se concrétise pas. Et c'est le truc que je comprends pas. Tout le monde attend que ça se concrétise quelque part. Ça fait l'impression de... les scènes à la Tarantino. Quand il y a plusieurs gaziers, l'impasse mexicaine, plusieurs gaziers qui se menacent les uns les autres avec un flingue. Et chacun regarde les autres en attendant de voir qui va commencer. Et tout le monde attend que l'autre démarre. Enfin, je sais pas. Tu sais faire Marlène, mais pas une poêle déçue. Bon, alors, ouais, allez, ok. Pong. Voilà. Si ça te va, ta commande. Le truc, c'est que les colères sont détournées, c'est tout le jeu de la droite de créer de la confusion et des diversions. Mais même ça, je comprends pas, parce que... Comment se fait-il que ces diversions fonctionnent alors que les gens savent dans quelle merde ils sont? Les gens voient bien qu'ils ont du mal à boucler les fins de mois, que la fin de mois maintenant c'est plus le 15 qu'elle arrive, c'est le 10, que même quand tu bosses tu t'en sors pas, tes gamins s'ils font des études ils sont pendus comme c'est pas permis. Comment ça, je comprends pas, c'est un peu un mystère quoi. Je fais trop bien la poêle, merci. C'est parce que je suis bretonne. Et quand on n'a pas de biligue, on fait les galettes avec les poils. Donc il y a une connivence entre les poils et les bretons. Faut dire ce qui est. Donc ouais, moi c'est un peu un mystère. Pour la droite, il vaut mieux que la colère soit ciblée envers les minorités. Oui. Envers les plus pauvres parmi les pauvres, et même les gens qui sont en SMIC, c'est plus accessible pour eux d'en vouloir aux voisins au RSA qu'à Bernard Arnault. Ouais. C'est... Ben, je le dis souvent, c'est là-dessus qu'ils font qu'on bosse sur le terrain, quoi. J'ai un biais depuis que j'ai vu des recettes pour cuisiner les chonchons. Non, mais le pire, c'est qu'une fois, j'étais en train de regarder un documentaire Pépouze sur les cochons d'Inde. Il m'a pas appris grand-chose. Et au bout d'un moment, bah, c'est passé à la recette astuce cuisine. Oh. Ah, le clip. Bien sûr, le clip. Voyons voir le clip. Je sais pas. Tu sais faire Marlène, mais pas une poêle déçue. Bon, alors, ok. Pong. C'est la preuve en image. Vous savez que c'est exactement ce genre de connerie qui va finir par se retrouver le jour où je ferai un générique pour cette chaîne. Vous le savez, ça. Vous le savez, vous le cherchez. Re, l'île marxiste. Donc, continuons. Ah oui, j'ai une très, très, très bonne nouvelle. Plus besoin de boycotter la Coupe du Monde au Qatar. C'est réglé, c'est bon, c'est fini. C'est terminé, on est pépouze. Puisque, regardez-moi, cette beauté, le brassard magique, qui va certainement ressusciter les morts et sauver le climat, parce qu'il y a ces deux problèmes hein, sur la Coupe du Monde au Qatar. La France, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Suisse et le Pays de Galles ont décidé de rejoindre la campagne One Love contre les discriminations. Les capitaines porteront un brassard spécial lors des matchs du Mondial.
Elle est pas belle, la vie? Tout est réglé. Les brassards auront un capitaine. Les capitaines auront un brassard aussi, d'ailleurs. Ça marche dans les deux sens, parce que chaque brassard aura un capitaine. Hein? Donc je me suis pas du tout trompée dans ma phrase, on est d'accord. C'est juste de la logique. Et là, moi, je dis, c'est beau. J'ai très envie d'avoir un brassard. Sauvons le monde. Un brassard, j'aime la planète. Là, je pense que tous les problèmes climatiques seront réglés. Et je vous conseille à vous, parce qu'alors il faut s'occuper de tous les problèmes. Je vous conseille à vous autres dans le chat de vous trouver un brassard. La pauvreté, c'est pas bien. La guerre, c'est mal. Stop au racisme. Et là, tous les problèmes vont disparaître et on sera tous heureux. Qu'est-ce que vous en dites? On serait bien là, on serait bien. Alléluia, elle a enfin compris. Nous, non, on pense pas à ça, non, du tout. En même temps, tout le monde côtoie de plus ou moins près quelqu'un à RSA. Il n'y a pas grand monde qui peut taper la discute à Bernard Arnault Burke. C'est ça. Ah, on est d'accord, droit au logement. Tu vas pouvoir aller au Qatar avec ton jet en toute bonne conscience. Tu es sans voix, Jashugan, ça ne m'étonne pas. One love. T'as vu ça sur Amnesty? Salut Gali. J'exige que chaque footballeur ait un brassard, je suis gentil. Alors, on peut faire je suis la planète? Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il faut rouler en 4x4 pour le brassard sauver la planète? Si tu mets un brassard sur ton 4x4, oui. Siberium off, c'est ça? Merci pour le follow. En revanche, pour le brassard giflon les insoumis, ici, on est contre les violences de manière générale. Et à titre personnel, je suis totalement contre le fait de faire une plaisanterie quant à une violence qui a été exercée sur une femme. J'ai plein d'humour, y compris l'humour noir, gore, cynique, tout ça. Mais là, à titre personnel, j'ai du mal. Mangeons les riches. Non, ça c'est méchant, Gigilou. Les brassards, faut que ce soit gentil. Oui, j'ai bien vu. Si vraiment j'avais pensé que c'était pour te foutre de notre gueule, tu serais déjà plus là. C'est juste pour te dire que, ayant été victime de violences conjugales, je bloque un peu. Ils sont sérieux avec les brassards, là, que tout le monde boycotte ça, les footballeurs sont blindés, ils pourraient boycotter aussi. Oui, ils sont sérieux avec leurs brassards. Hein. Ils sont sérieux. Ah oui, oui. Alors vous voyez, je l'ai mis là, donc dans mon commentaire, hashtag pipi sous la douche avec un brassard. C'est important. Le brassard, soit gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant, faut un gros bras déjà. Hein. Oui, Siberiamov, si tu veux te situer selon la demande de Jashugan, libre à toi. Si l'extrême droite mettait des brassards, est-ce que ça la rendrait gentille du coup? Ah merde, ouais, je me rappelle aussi des nazis. Parce que non, parce que leurs brassards étaient méchants. La poudre aux yeux, oui. Alors, on en pense quoi du fait qu'il protège Katniss et minimise son geste? Alors déjà, heureusement, tout le monde ne protège pas Katniss. Heureusement. Maintenant, je suis longuement, mais très longuement, revenu sur tout ça. Et je t'avoue que j'aimerais faire une pause.
Les fachos, les fachos, les fachos partout. Du coup, il y a des fachos partout. Fachos. Bon alors les fachos. Fascistes en puissance. Fachos. Fascistes. Les fascistes. Fascistes. Les fachos. Les proto-fascistes. Les fachos. Beaucoup de fascisme. Fascisme. Fachos. 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 Fachosphère. Fachos. 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 Du fascisme. Fachosphère. Non fachos. Pas fachos. Une vraie spécho. Fascisante. Fachos. Fachos. Le fascisme. Fachos. 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 Vieux fachos. Fachito. Fachito. Fachos. Fachos. Fascisation. Fascisme. Fasciste. Fachos. Fascisé même. Fascisé, oui, on peut le dire. Fasciste. 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 Le fascisme. Le fascisme. Les gros fachos. Oh, fachos. Fascisme. Fachos. Fachis et fachos sont dans un studio. Fachos. 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 La menace fasciste. Fascisme. Fascisme. Néo-fasciste. Fachos. Antifasciste. Fachos. J'ai pas dit fachos encore depuis le début. Incroyable. C'est fou. Fachos. 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 Grosse tête de fachos. Les fachos. 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 Les fachos partout. Fachos. 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 Les fachos. Fachos. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Masterclass. Enfin, de plus en plus chaud. Ouais. On va attirer Nagual, mais c'est pas grave si on attire Nagual. Hein. On aime bien Nagual. Et ni de droite ni de gauche, c'est rarement bon signe. En général, ça correspond à un red flag un peu. Donc tout ça pour dire qu'en ce qui me concerne, je fais ma part. J'en ai pris plein la gueule parce que je fais ma part et parce que je donne mon opinion. Mise en retrait, c'est un minimum. Je ne serai pas opposé à une démission. Voilà. Alors, vu ce qui se dit sur les médias de masse, ça en aveugle plus d'un. Oui, ah oui, pour le Qatar, machin, tout ça, ouais. Ouais. Clairement. Hop, ça y est, on a fait le tour des pépites. On a fini des pépites. Hop, on va remettre ça comme il faut, là, normalement. Comme ça, on est pas mal. Oui, tout comme apolitique. Il y a des mots comme ça qui font un drôle de bruit dans les oreilles. Mais non, je t'ai fermé, toi. Ok, le truc, il veut pas se fermer. Ça va pas du tout, ça. Puis un brassard contre la discrimination dans un pays misogyne et LGBTphobe, c'est nimp, sans compter tous les problèmes d'esclavagisme cachés, autant de pas y aller, le message est plus fort. Oui, la seule façon honnête de dire ce qu'ils font au Qatar, c'est vraiment de la merde, c'est de ne pas y aller et d'expliquer pourquoi on n'y va pas. Parce que là, on parle en effet des esclaves qui sont morts pour construire toute leur merde de Coupe du Monde à la mort moelle-neuve, que je n'ai pas d'ailleurs. Mais ça fait des années, des dizaines d'années que l'esclavagisme se pratique pépouze au Qatar, à domicile. On fait venir des gens, donc... Beaucoup de Philippins, et comme d'habitude, c'est souvent les femmes qui morflent le plus. Et donc pour de la domestication, alors bien sûr on confisque les papiers, et vas-y que je te viole, et vas-y que je te frappe, et vas-y que je t'affame, et vas-y que bah du coup je te paye pas, parce que t'es obligé de rester, t'es coincé. Mais ça non, ça va. On les laisse faire leur soft power... Et vas-y que je te rachète le PSG ou des trucs comme ça. Oh tiens, PSG problématique aussi. Il n'y aurait pas un lien. Mais bon, c'est parce que ce sont de gentils étrangers. Parce que les Qataris, quand ils viennent ici, c'est pas... Attends, c'était quoi le truc? C'est pas pour voler le pain et les allocs. Des honnêtes français, donc en travaillant mais sans travailler, du coup ils sont en RSA, enfin je sais pas, c'est très compliqué, les trucs des fachos, très compliqué. Ce sont des gens qui viennent cracher de la moula
Et donc voilà. Ok, alors pour quelqu'un qui est apolitique, t'as des mots de plus en plus fachos. Je sais pas si tu vas pouvoir rester très longtemps en fait, hein. Salut Nagual. Nagual, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu es arrivé après la commande facho. Quel mot? Bah je sais pas, relis-toi. Relis-toi. Parce qu'en fait, moi, je vais pas t'accorder de l'énergie et du temps. Voilà. Je pense que les modos vont faire un petit concours de vitesse. Alors, ça se fait aussi dans une moindre mesure, mais au-delà de la différence quantitative, disons que la différence qualitative, c'est que c'est pas officiellement institutionnalisé. Pour l'esclavagisme, bah, c'est surtout que c'est moins visible parce que bah, ça se passe au sein des foyers. T'es au-dessus des clivages, droit au logement. Mais oui, rappelons également pour cette Coupe du Monde qu'il est fortement déconseillé, même si vous êtes hétéro et seulement pote, vous y allez à deux mecs, c'est déconseillé. Parce qu'on pourrait vous soupçonner d'être en couple. De mecs ou de meufs, hein. Ça pose problème aussi, ça. Donc il y a beaucoup de choses problématiques. Il y a, je crois me souvenir que là-bas aussi, il y a des journalistes et des opposants qui ont une fâcheuse tendance à disparaître dans des conditions un peu bizarres. Donc, ouais. Ah, c'est Donio qui a gagné. Sais pas s'il n'y a pas une espèce de hiérarchie entre les modos, parce que quand même. Quand même, Donio qui attend la permission de Nagual pour dégager le facho, c'est bizarre. Bonk. Ah oui, pas marié non plus. Oui, pas marié non plus. La mise en esclavage de l'immigration, ça se fait aussi en Europe, mais pas dans la même forme, on va dire. C'est plus insidieux ici. Oui. Oui. Quelle idée d'aller se promener en forêt en plein milieu de la nuit aussi. Ah bon, il n'y a pas de forêt là-bas. Non, par contre, il y a des pistes de ski en plein désert, j'imagine, comme à Dubaï. Et que donc les gaziers, ils font des vraies pistes de ski, où ils fabriquent de la vraie neige. Et du coup, ils ont froid. Et donc, il y a comme un bar de station, un peu avec la terrasse. Ils sont là avec leur doudoune et tout. Et sur la terrasse, il y a des chauffages au gaz, parce qu'ils ont froid. Dans leur station de ski en plein désert. Doudou. Se fait des politesses, c'est pour bien bosser ensemble. D'accord. Collectivisation du FAF, ok. Après, n'étant pas autoritaire par nature, je vous laisse gérer le travail d'équipe, tout ça. Ils se sont crus sur Minecraft à faire de la neige dans le désert. Oui, je crois. Sérieusement, je crois. À ceci près que sur Minecraft, t'as pas de soucis avec le froid. Donc, t'as pas besoin de faire un chauffage au gaz sur la terrasse. Ok. Ben, merci pour le lurk. Donc. Continuons ce qu'est-ce qu'on lisait hier sur le fameux test. Et il y a une série que j'ai oublié de citer hier d'ailleurs quand on en parlait, c'est Misfits. Misfits coche pas mal de cases mine de rien. Parce que bah c'est des prolos. Il y a
au début de la série, en tout cas, il y a autant de nanas que de mecs. Les nanas parlent souvent entre elles, et pas forcément d'un mec. Il y a des personnes racisées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait cocher ? Pas de handicap, par contre. Ouais, mais Steven Universe, oui, ça a été évoqué hier, mais je connais pas. Alors, je peux pas dire. Ouais, non, il n'y a pas de handicap. Si ce n'est qu'après, ils sont handicapés par leur pouvoir, mais... non, ça coche pas mal de cases, en vrai. Perso, j'ai un film qui pourrait cocher pas mal de cases aussi. Je sais pas si je l'ai dit, c'est le film Une vie volée. J'adore ce film. Ouais, tu l'as dit hier, je crois. Mais je connais pas non plus. La Chica del Cable, ça marche peut-être. Alors, La Chica del Cable, j'avais commencé à regarder. Et, bon, c'est dans les années 20, quelque chose comme ça. Et le moment où ils sont dans une soirée et où on entend de la musique, de maintenant, là, ils m'ont perdu. Ils m'ont perdu, parce que quand tu fais un truc historique, c'est limite, ils avaient mis du Maître Gims dans la soirée où ils étaient. Et... Et là, ça a fait paf. Je sais plus si c'est la mitose ou la méiose, le moment où les chromosomes se séparent. Mais voilà, ça m'a fait ça. Vraiment. C'est trop bien, j'attends avec impatience de le regarder avec ma fille. Une vie volée ? Ou la Chica del Cable ? Enfin ouais, donc ils m'ont perdu avec ça et j'ai pas réussi à m'y remettre, quoi. Ouais, grosse erreur de réalisation. Donc, maintenant, le tout, c'est de retrouver où j'en étais. Voilà, j'avais fini ce paragraphe-là où on disait que, au niveau pertinence, c'était pas top. C'est ça. Donc, le Bechdel Wallace serait donc plus pertinent lorsque l'on applique à un ensemble de films plutôt qu'à un seul, car il permet de révéler la systématicité des représentations stéréotypées des femmes ou leur invisibilisation. À partir des données du site bechteldes.com concernant les films répertoriés jusqu'à 2013, un internaute a ainsi choisi de se pencher plutôt sur les films qui passent ou non le test de Bechdel-Wallace en fonction de leur genre. On observe ainsi que les films musicaux sont plus nombreux à remplir les trois critères du test que les films historiques ou de science-fiction. Il s'est aussi demandé si le sexe de l'auteur, du producteur ou réalisateur d'un film influençait le résultat. Une variable qui peut être intéressante au regard des études portant sur le male gaze au cinéma, vision masculine ou point de vue masculin en français. Un concept théorisé par la réalisatrice et critique de cinéma britannique Laura Mulvey dans son essai « Plaisir visuel et cinéma narratif » en 1975. Elle y décrit, pour le dire brièvement, la façon dont le cinéma, à travers les grands classiques hollywoodiens, a pu être architecturé par l'inconscient de la société patriarcale et le point de vue qu'il impliquait. L'homme est généralement un personnage moteur du récit et porteur du regard. Celui du héros est partant, celui du spectateur et du réalisateur, tandis que le personnage féminin plus passif est objet du regard. Salut Lionel. Série également qui coche plein de cases, même s'il y a d'autres bémols, mais en dehors de la série qui sont à souligner, c'est Glee. Parce que Glee, bah, tu as vraiment plein de choses qui sont abordées, plein de cases qui sont cochées. Une vie volée, c'est un film qui parle d'une femme jeune ayant des troubles dépressifs et borderline. Le film est assez diversifié niveau casting, personnes racisées, homosexuelles, une personne trans est mentionnée. Aucune personne issue de minorité se font mentionner leur appartenance à une minorité. Ah ouais, donc pas mal de cases, ouais.
Sinon, X-Files, il y a souvent une nana qui parle à Scully et plein d'aliens qui s'expriment. Ouais, mais... Non, X-Files... X-Files, non, ça ne marche pas. Et j'adorais X-Files. Hein. Vraiment. J'étais à fond. J'étais à fond sur X-Files. Une série comme Le Caméléon, bah, ça ne fonctionne pas. Parce que, bon, t'as le personnage principal. Le premier personnage... C'est pas secondaire, mais juste en dessous. Oui, c'est une femme, c'est Miss Parker. Mais Miss Parker, il n'y a pas beaucoup de nanas autour d'elle, quand même. Hein. Puis, quand elle parle avec une autre femme, mine de rien, c'est souvent pour parler de Jarod. Puisqu'elle le poursuit. Donc c'est... Non, mais Glee, il y a plein de trucs. Ça parle de harcèlement, ça parle de racisme, ça parle de handicap et de son acceptation ou pas. Ça coche plein de cases. Après, il y a le casting. Le casting de Glee. Il y en a plusieurs qui se sont retrouvés dans la sauce. Celle qui joue Rachel, on s'est rendu compte qu'elle était raciste. Celui qui joue, j'ai mangé son nom, mais celui qui a la crête de punk, il s'est suicidé après s'être fait gauler pour détention d'images pédocriminelles. Comme ça, qui sont pas. Doctor Who, alors je suis désolée, peut-être qu'il va y avoir une tornade d'unfollow. La personne qui n'a jamais vu Doctor Who, c'est moi. J'ai jamais vu. Sentez-vous libre de partir maintenant, de m'abandonner, c'est parce que je comprends que ce soit un scandale. J'attends de voir s'il y a au moins une personne qui reste. Merci pour le follow, Jashugan. Sentis la solidarité. Ah, je suis pas seule. Merci. Ouf. Parce que j'ai vraiment, ça donne vraiment l'impression, Doctor Who, que tout le monde l'a vu. Et pas moi. Oui, j'ai bien compris, Jashugan. C'était ta façon de protester. Depuis que le docteur est une femme, ça doit mieux passer le test. Et ça avait foutu le Bronx un peu d'ailleurs, non? C'est comme God. Ah si, moi God, j'ai regardé. J14 va te retirer des points. Je reviens juste pour dire pas ouf, Doctor Who, vous pouvez m'insulter. Écoute, apparemment, je suis pas la seule dans le chat à l'avoir jamais vu, donc finalement, ça va mieux que ce que je pensais. Oh, le prochain docteur va être noir. Oh. Ah, vas-y, alors ça met des femmes, ça met des noirs. Après, ça va mettre quoi? Ça va mettre un docteur trans. Bravo, Doctor Who, et merci. Pour tous ces AVC que vous créez chez les gens qu'on n'aime pas. Cœur sur vous. Donc, on revient à cet essai plaisir visuel et cinéma narratif. Elle y décrit, pour le dire brièvement, la façon dont le cinéma, à travers les grands classiques hollywoodiens, a pu être architecturé par l'inconscient de la société patriarcale et le point de vue qu'il impliquait. L'homme est généralement un personnage moteur du récit et porteur du regard, celui du héros et partant, celui du spectateur et du réalisateur.
tandis que le personnage féminin, plus passif, est objet du regard. Il y a toujours eu des femmes dans Doctor Who et des fameuses, bah tu vois, comme quoi je connais vraiment pas. J'attends de voir les faves galérer entre est-ce qu'ils préfèrent un docteur noir ou une docteur femme. Et c'est pour ça, vivement docteur trans. Hein. Les gens avaient gueulé parce que Doctor Who est une femme et j'avais vu une critique sur le sujet que les vrais fans devraient plus gueuler que le docteur n'est pas roux. Par rapport au fait que le docteur a mentionné vouloir être roux. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, donc si vous voulez l'être, laissez-le être roux, quoi. Donc, alors ça, je vais me le mettre de côté. Parce que ça peut être bien, ça. Contrer le male gaze grâce aux séries. Donc, mesurer les biais de représentation. En 2013, en Suède, quelques diffuseurs ont décidé d'informer les spectateurs de la note obtenue au test de Bechdel-Wallace des films qui sortaient en salle. Ah, ça peut être sympa. Toute la trilogie du Seigneur des Anneaux, The Social Network, Pulp Fiction, tous les Star Wars et tous les Harry Potter, sauf un, échouent à ce test. Quoi ? Harry Potter ? Mais pourtant, on en a parlé déjà hier. Parce que J.K. Rowling, elle est TERF et le F de TERF, c'est féministe. Comment ça se fait que ça échoue à ce test ? C'est parce que c'est pas du féminisme, c'est de l'appropriation. Donc, expliquait Hélène Tejle, pardon pour la prononciation, directrice de Biorio, un cinéma d'art et d'essai du quartier branché de Södermalm. Je parle pas suédois. À Stockholm. Le Swedish Film Institute a même soutenu cette démarche. Selon leur palmarès établi en 2013, une dizaine seulement de films distribués en Suède passaient le test. Parmi eux, The Bling Ring de Sofia Coppola ou encore Blue Jasmine de Woody Allen, qui n'est pas connue pour être une grande figure de la cause féministe. Peut-on en même temps être incestueux et féministe ? Vous avez 4 heures. En même temps, le SDA... Il y a si peu de femmes qu'elles doivent même pas parler entre elles. Ah, le Seigneur des Anneaux, ouais. Alors, d'autres choses qu'un homme, ouais. Après, faut bien viser, quoi. Non, c'est vrai que les femmes qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux, bah, c'est chacune dans son coin. C'est Arwen, elle est là-bas. Galadriel, elle est ici. Etc, etc. Donc, c'est ça. L'initiative, plutôt bien accueillie au pays d'Ingmar Bergman, est parvenue aux oreilles d'Alison Bechdel, sollicitée par les médias. Inévitablement, dans ces interviews, je dis des choses simplistes ou je me retrouve à défendre des accusations absurdes. Qui est surpris ? Pas vous ? Pas moi ? Comme si l'application formelle du test par une salle de cinéma était en quelque sorte de la censure, commente-t-elle dans une note de blog. Parce qu'on est bien évidemment imaginé une affiche de cinéma où c'est marqué « ce film ne passe pas le test », c'est de la censure. Parce que du coup, il n'y a personne qui va aller le voir et c'est comme si tu le diffusais pas du tout. Ah non, la censure, ce serait refuser de le diffuser. Des fois, j'ai du mal à comprendre les raisonnements. Hein. J'avoue. Nourrie de sentiments ambivalents quant à la fortune de son idée, la dessinatrice se déclarait finalement contente que la culture dominante rattrape ce qu'était le féminisme lesbien il y a 30 ans. Drop mic. En mettant en lumière un sujet auquel elle a dédié sa carrière, la représentation des femmes qui sont des sujets et non des objets. Coucou Raphaël Enthoven.
Tout en tenant compte de ces écueils et de ces aberrations, le test a inspiré des variantes pour interroger les biais de représentation dans l'industrie du cinéma. Citons par exemple le test de Makomori, personnage du film Pacific Rim, qui implique que le film est 1. Au moins un personnage féminin, 2. Que ce personnage ait son propre arc narratif, 3. Que celui ne consiste pas à être l'adjuvant d'un personnage masculin. Ou encore le test Furiosa, nommé d'après un personnage de Mad Max Fury Road, qui se résume à une question. Est-ce que des internautes s'énervent parce que ce film est féministe ? Ça, c'est un très bon test. Non, moi, c'est Zippo, bonjour. Est-ce que ça, ce ne serait pas un très bon test, finalement ? Quand vous voyez que les masculins, les fachos, les droitos, machin, tout ça, quand ils s'énervent dessus, quand il y a une panique morale pour cause de féminisme, t'es arrivé sur Coucou Enthoven. Ah oui ! J'espère que tu l'as pas pris pour toi. C'est trop bien Pacific Rim, il y a des gros monstres et des gros robots. Et est-ce que finalement, ça, ce serait pas un excellent test ? Et le test ultime, c'est si, dans la panique morale, ils arrivent à faire un lien direct entre ce film et Sandrine Rousseau. Parce que vous aurez remarqué que c'est la mode ces temps-ci. Quoi qu'il se dise, quoi qu'il se passe, paf, tu mets du Sandrine Rousseau dedans. Même et surtout si ça n'a rien à voir. Donc, ouais. Si ça énerve les masculins, c'est peut-être qu'on va dans une bonne direction. D'autres déclinaisons se concentrent sur la question de la diversité à l'écran. Pardon. Salut Idogeco. Comme le test Duvernay qui veille à ce que les personnages noirs ou issus d'autres minorités ne soient pas de simples faire-valoir de personnages blancs. Le scénariste Nikesh Shukla propose par exemple de regarder si un film qui met en scène deux personnages principaux qui sont des personnes de couleur se parlent sans mentionner leur race. Oui, ça c'est ce dont je parlais hier. Le test Rousseau, ouais c'est ça. On va mettre le test Rousseau. C'est ce que je disais hier, c'est l'idéal, c'est quand une personne, donc insérée ici, une origine ou une couleur qui ne plaît pas aux fachos, a juste un rôle d'une personne. C'est pas un noir qui joue le rôle du noir, c'est le noir. Non, c'est un noir qui joue un rôle. Le trousseau. Le test trousseau, c'est le trousseau. Donc, Et c'est chiant parce que c'est plein de références comme ça, là. Ça doit être vachement intéressant aussi, ça. Oscar, sexisme et discrimination raciale, l'interminable combat des minorités pour la diversité à Hollywood. Sans chiatique, hein, y a plein de refs intéressants dans cet article-là. Mais je pense que celui-là, je vais le garder sous le coude. Parce qu'il y a quand même des trucs qui vont être intéressants à lire et je pense qu'on va en faire. Ou un être humain qui joue un rôle. Mind blow. Ouais. Et si on regardait les gens comme des gens, finalement. Comme des êtres humains. Allez, chiche. On regarde pas leur couleur. On regarde pas leur genre. On ne regarde pas leurs capacités. On ne regarde pas leur religion. On ne regarde pas leur vie sexuelle et affective. Et on dit, c'est des gens. Et les Jacques comme des Jacques, poudoum tchi. Merci Jashugan. Comment on fait pour les Jean-Jacques ? Écoute, dans Jean-Jacques, j'ai envie de dire, il y a Bourdin.
Il y a Goldman avec sa chanson Réac. Dans Shang-Chi, il y a des Asiates qui parlent et disent pas tout le temps qu'ils sont chinois. Parfois, ils le montrent juste. J'en demande beaucoup pour les droits tous. Ouais, mais on s'en fout, on les emmerde. Là, je disais, nous, on le fait. Juste comme ça. Allez. Donc, c'est séance de rattrapage d'hier également. On n'avait pas lu ce tweet que nous avait donné Nagual. Merci pour le follow, Sylphren, bienvenue. Donc, c'est Pascal Martin. Première circonscription de la Dordogne. Communiqué de presse. Le député LFI NUPES Adrien Quatennens a publié dimanche 19 septembre un communiqué de presse dans lequel il admet avoir commis à plusieurs reprises des violences à l'encontre de son épouse Céline Quatennens. Durant les heures qui ont suivi, plusieurs élus et cadres LFI NUPES, et notamment Jean-Luc Mélenchon, ont salué la décision d'Adrien Quatennens de se mettre en retrait de sa fonction de coordinateur de la France Insoumise, mais ont aussi loué ses qualités de courage, de sincérité, de dignité ou encore d'abnégation, et cela qu'ils aillent se faire cuire le cul sur une planche à froide. Merci, bisous. C'est pas dans le texte, hein, c'est moi qui l'ajoute ça. Et si on n'attendait pas les droitos pour faire évoluer les mentalités, c'est ça. Sinon, on va jamais avancer. Ouais. Ouais, clairement. Moi, je dis, on les attend pas. Ils prendront les événements en route ou pas. Et... Puis ils vont... Attends, j'ai vu quoi ce matin comme expression. Qu'ils aillent se poncer la bite. Nous, on est déjà là-dedans. Ouais. Ouais. En général, c'est par la gauche qu'on avance. Ok, bah tu... Alors, attends. J'ai un truc pour toi, Sylphren. Deux fois aujourd'hui. Les fachos, les gauchos, ils font ça. Je sais pas si tu le vois bien. Les fachos. Si tu veux, pour le même prix, je t'en mets deux. Fasciste. Ça te va? Fascisme, fachosphère. Les fachos, le fascisme, fascisme, fasciste. Facho, antifasciste, et vrai fasciste. Fasciste. On est chez nous, territoire fascisme. Facho, les fachos, fascisme. Facho, fascisant. Les fachos. Je le laisse le doigt ou t'as bien compris le principe? On va traiter tout le monde de facho. Fasciste. Les fachos. Les fachos partout. Les fachos partout. Du coup, il y a des fachos partout. Fachos. Bon alors, les fachos. Fascistes en puissance. Fachos. Fascistes. Les fascistes. Les fachos. Proto-fascistes. Les fachos. Beaucoup de fascisme. Fascisme. Fachos. Fachosphère. Facho. Du fascisme. Fachosphère. Non facho. Pas facho. Une vraie spécho. Fascisante. Facho. Facho. Le fascisme. Facho. Facho. Vieux facho. Fascito. Fascito. Facho. Fascisation. Fascisme. Fasciste. Facho. Fascisé même. Fascisé, oui, on peut le dire. Fasciste. 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 Le fascisme. Le fascisme. Les gros fachos. Facho. Fascisme. Facho. Fachi et facho sont dans un studio. Facho. 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 La menace fasciste. Fascisme. Fasciste. Tu lui as pas laissé le temps d'en profiter, Nagual, c'est dommage. Depuis le début. Incroyable. C'est fou. Facho. 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 Grosse tête de facho. Les fachos. Facho. Facho. Les fachos partout. Facho. 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 Les fachos. Facho. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est le palma facho des fachos. Ouais, c'est le palma facho aujourd'hui. Ouais. Alors, Golavier, bah, je me souviens pas de tout, toute la merde qu'il y avait dans son message. Ça commençait par gaucho et ça continuait par j'en ai marre des arabes. D'où ça. Et oui, l'île marxiste, on est d'accord. Les gauchos, les arabes te disent d'aller te faire cuire de derrière. C'est ça. C'est ça. Faut vraiment que je raccourcisse parce que même moi j'en ai un peu marre. Je vais raccourcir cette commande. Problème de devoir attendre, tu leur laisses le temps de taper des trucs horribles. Ah ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Parce que ouais, tu peux pas juste Théo en fait. Ouais. C'est vrai. Mais je pense que mes majeurs ont été clairement vus. J'en ai mis que deux, mais c'est parce que j'en ai pas plus à disposition. Oui, ils ont encore le son, même quand ils ont plus le chat, c'est vrai, c'est vrai. Il doit plus être là, mais ça fait du bien quand même. Oui, oui, Jashugan, t'as raison. T'as raison de dire, de la part de tous les Arabes de France et de Navarre, on t'emmerde. Donc, la part des non-Arabes aussi, oui, oui, oui. Alors, isoler le majeur des pieds, me contorsionner pour montrer à la fois les majeurs des pieds et ceux des mains devant la cam, je dis non. Je ne suis pas en capacité de le faire. Le facho qui passe quand je suis aux toilettes, notre fer, non mais... T'as remarqué, les fachos, ils ont pas de race. Hein. Ils parlent que de ça, mais ils en ont pas. Hein. Donc, continuons. En tant que députée élue pour défendre le programme et les valeurs de la France insoumise et de la NUPES, mais aussi en tant que militante féministe qui est accompagnée pendant des années des femmes de victimes de violences conjugales, je ne peux pas rester silencieuse devant ces réactions. Elles sont insuffisantes et inacceptables à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle témoigne avant tout d'un soutien indéfectible envers Adrien Quatennens, quand la seule réaction acceptable face à une situation de violence est de soutenir la ou les victimes. La France insoumise s'était d'ailleurs engagée en 2021, à la suite du mouvement MeToo politique, à ne pas soutenir les hommes politiques mis en cause pour violences sexistes et sexuelles. Nous devons toutes et tous respecter cet engagement. Certains de ces tweets révèlent aussi une minimisation des faits qui ont été commis et une méconnaissance de la réalité des violences conjugales. Non, il ne s'agit pas d'un simple divorce de camarades, je le rappelle. Les violences au sein du couple prennent plusieurs formes et elles ont lieu dans tous les milieux. Elles ne sont jamais acceptables, y compris lorsqu'elles sont commises dans un contexte conflictuel ou de séparation difficile. Par définition... Oui, oui, la citation, les fachos, ils n'ont pas de race. Alors, il faut mettre toute la citation, je pense. Les fachos, ils en parlent tout le temps, mais ils n'ont pas de race. Parce que là, c'est encore mieux. Et oui, le coup du contexte conflictuel. Comment dire ? Quand tu as un conjoint maltraitant, par définition, le contexte est conflictuel. La plus basse qui se lance sans prévenir, j'étais pas prêt. Ouais, je suis désolée, faut vraiment que je regarde. J'ai l'impression qu'il y a une changement de leur politique publicitaire et je crois qu'il va falloir que je refasse tous mes réglages de pub. Parce que ça ne va pas du tout. Il y a la violence psychologique est aussi... Oui, ça détruit aussi la violence psychologique, je confirme. Le harcèlement épuise et pousse à bout, vécu. Oui, oui, oui. Un conjoint qui passe son temps à te dire que t'es une merde et que c'est pour ça que tu peux pas partir parce que sans lui tu vas pas t'en sortir, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. J'ai beaucoup de mal. Enfin, j'ai encore la petite voix dans ma tête qui me dit « T'es qu'une merde. » Elle est toujours là. Hein. Alors que ça fait 11 ans que je suis partie. 11 ans. Et la petite voix, elle est toujours là. Il y a zéro excuse, t'es énervé, tu vas te promener. Oui. Oui, oui, oui. Bah avant aussi, Golavier, on pouvait choisir quand on les lançait. Et même là, en fait, sur le gestionnaire de stream, tu as une case dans tes raccourcis, tu as une case lancer une coupure publicitaire que tu ne peux pas tirer, cette case, par contre. Hein. Et donc oui, tu peux le faire quand tu veux, mais tu as aussi un pré-réglage qui dit, ouais, au bout de tant de temps, ok. Mais...
Là, j'ai l'impression qu'en fait, le changement qu'il y a eu au cours de l'été, je crois, enfin, quand je streamais plus, il me semble que ça a flingué mes réglages. Je peux pas mettre des doigts pour honorer ces sacs à marre, tu veux dire, Gali. Rappelons-le, si tu commences à sentir la colère monter en toi, tu sors de la pièce, tu te calmes, va faire de l'aquaponie si ça te chante et tu reviens calme pour reprendre la discussion. Et oui, c'est dur de se reconstruire après, oui. Ouais. Moi, ça m'est arrivé pour évacuer, d'aller dans la cuisine, de prendre une assiette et de la balancer, mais de toutes mes forces par terre. Mais vraiment, le geste pour évacuer le... Alors qu'il n'y a pas besoin d'autant d'énergie pour casser une assiette. Mais vraiment, je la balançais de toutes mes forces par terre. Et donc déjà, rien que le fait de faire le geste, t'évacue beaucoup de choses. Et bah après, il fallait que je ramasse les morceaux. Donc ça me laissait le temps de... Alors que j'aurais jamais dû avoir à faire ça parce que c'était pas moi le problème. Mais bon. Donc, ces tweets constituent une violence de plus pour les femmes qui ont déjà subi des violences conjugales ou d'autres formes de violences sexistes. Oui, oui. Je fais partie de ces femmes. Ces réactions nous semblent d'autant plus insupportables que nous faisons partie d'un mouvement politique qui a placé la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au cœur de son programme. Taper les coussins aussi, ça marche bien. En plus, ça travaille le cardio. Si, je vous jure, c'est physique et on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne l'a pas fait. Ouais. Ouais, ouais. Par ailleurs, ces réactions publiques ne peuvent que décourager les femmes qui seraient victimes de violences ou d'agissements sexistes au sein de la France insoumise de signaler les faits auprès du comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles dont s'est doté le mouvement. En cela, les réactions de Jean-Luc Mélenchon et d'autres cadres de LFI peuvent avoir des conséquences graves. Oui. L'ensemble des députés de la France insoumise bénéficient déjà d'une formation sur les violences sexistes et sexuelles. Ce n'est pas suffisant, les calculs ne sont pas bons, Kevin. Je demande que cette formation soit plus approfondie, notamment en ce qui concerne les violences dans le couple et les violences post-séparation. Rappelons qu'une bonne partie des féminicides sont perpétrés dans un contexte de séparation. Ou post-séparation. Je demande également que tout cas de violence ou d'agissement sexiste impliquant les députés LFI donne lieu à une discussion au sein du groupe politique LFI afin que l'ensemble des députés décident collectivement des suites politiques adéquates. Je serai toujours dans le camp des victimes de violence et jamais dans celui des agresseurs. Merci, Pascal. Double win, tu fais ton sport et tu tapes personne. Ouais, ça peut être bien. On regarde si je suis allée choper du sel. Ah bah non, merde. J'ai pas chopé de sel. Suisse cannabis. Ok. Allez. Allez, tu gagnes ton faux le Suisse cannabis. Si quelqu'un a... Salut Axomp. Merci pour ton follow, bienvenue. Si quelqu'un a du mime à partager, d'abord ça ferait du bien. Ensuite, ça me permettrait de faire ma pausinette avant la lecture des patates chaudes. Quand tu vas porter plainte et qu'on t'oriente vers une main courante, la main courante, tu sais où j'ai envie de la placer. Le pire, c'est quand la personne se targue en me disant que les flics lui ont dit « Oh monsieur, vous en faites pas, les petites minettes qui portent plainte devant le lycée, on a l'habitude. » Sérieusement? Ils t'ont dit ça? Quel salopard. Alors, pour info, parce qu'on ne le répétera jamais assez, quand vous allez porter plainte,
Si vous tombez sur quelqu'un au poste de police ou à la gendarmerie qui vous dit « Non, on va juste faire une main courante », il n'a pas le droit de faire ça. Ce n'est pas aux policiers ou aux gendarmes de vous dire « Ça ne va pas être une plainte ». Ça, c'est la décision du parquet et de lui seul. Donc, vous insistez pour porter plainte. Et si ça ne veut toujours pas, vous demandez les coordonnées du parquet. Vous demandez les coordonnées du procureur pour pouvoir le contacter illico presto. Enfin, contacter son bureau en tout cas. Ils n'ont pas le droit de refuser. Perso, j'ai tendance à faire la vaisselle ménage quand je m'énerve, je rumine un peu, ça va mieux au bout d'un moment. Oui, ou post-prison, pour ceux qui en doutent. Oui. Salut, diableresse. Oui, rappelons-nous qu'il n'y a pas longtemps, il y a une femme qui avait porté plainte contre son conjoint. Le policier qui l'avait reçu était lui-même sous le coup d'une enquête pour violence conjugale. Et quand il a rappelé la victime, il a oublié de raccrocher et la victime l'a entendu parler à ses collègues pour l'insulter. À tous les coups, c'est pas vrai, elle fait ça pour le faire chier, machin, tout ça, enfin, solidarité entre couilles, quoi. T'as mis qu'un seul appât, Gigilou. Ben, en ce moment, tout ce que je poste, quasiment, ça peut être considéré comme un appât, hein, parce que j'ai des positions claires et franches, donc... Pour ma part, je fais du sport de contact pour évacuer ma rage face à des hommes de ma taille qui sont là pour ça aussi. Et comme ça, on s'embrouille pas avec... Quand on s'embrouille avec ma femme, on en reste au mot. Très sincèrement, ça fait bizarre. Limite, vous allez peut-être me prendre pour une mytho. Donc avec Monsieur Chéri, au mois de juin, ça a fait 10 ans. Il n'y a pas eu d'engueulade. Pas une seule engueulade. On n'est pas d'accord sur tout. Quand on n'est pas d'accord, on en parle. Chacun sait quel désaccord l'autre a avec ses points de vue. Et pas une engueulade. Je ne savais pas que c'était possible. Je ne savais pas que ça existait. J'ai de la chance. Golavier, faut passer par les chuchotements pour les liens. Il passe pas dans le chat. S'il refuse toujours, tu demandes à voir le procureur. Oui, s'il refuse de prendre la plainte, oui. Oui, dans les faits, tu les as vu plusieurs fois refuser, mais bien sûr qu'il les refuse. Le harcèlement a pris du temps à s'arrêter, bah tu m'étonnes. Salut Adélilou. Ouais, solidarité entre... Alors ici on dit sacam ou sacamar. On a remplacé con par sacam. Sacam, donc sac à merde. On a réduit en sacam. Pareil, je dis pétain. Je ne dis plus putain parce que c'est pas cool pour elle. Je dis pétain. Et tu vois, si tu te restes de quelqu'un de fils de pétain, par exemple, c'est très violent comme insulte. Ok, donc en attendant le MP de Golavier, un petit guinea pig. Hep, oh, tu vas te calmer. Tu vas te calmer, toi. T'es pressé de courir, d'accord, mais voilà, 2 minutes. Que je cadre. Oh, chenapan, c'est soft hein, quand même. Guinea pig Olympics. Who is gonna be the one to win? Guinea pig Olympics. Guinea pigs running like the wind. Guinea pig Olympics. Marvel at the blur of their tiny feet. Guinea pig Olympics. The world's greatest guinea pig athletes. Jumping the stick, leaping the hoop.
Salut, bande dessinée. Oui, oui, tu arrives en plein guinea pig. C'est le meilleur moment pour arriver. Salut, Errol. Donc, alors, j'ai une petite question. J'ai rencontré un oncle éloigné à un mariage qui veut m'aider à trouver du taf avec LinkedIn. Mais le mec est hyper misogyne avec un humour dégradant sur son profil. Du coup, il insiste pour m'aider. Comment je l'envoie bouler gentiment? Gentiment, t'as dit, hein? C'est pas des trucs gentils qui me viennent. Gentiment. C'est gentil, mais je préfère réussir par moi-même. Plutôt qu'avec un gros con misogyne et toxique. En lui répondant pas, attention parce qu'il y a des gens qui t'aident contre ta volonté. Hein. Ça va mieux, bande dessinée, tes problèmes techniques? Mais ouais, non, juste le fait. Il n'y a pas une émo de je sifflote l'air de rien. Non. Il n'y a pas. Le fait de dire. Oh, c'est gentil, mais je préfère réussir par moi-même. Je pense que ça peut marcher. Ouais, Expomp, ouais, on est d'accord. On est d'accord, on est raccord. Donc. Hop. Ah, attendez, parce qu'il y avait un truc que j'avais oublié de vous montrer. En fait, j'avais juste oublié de rafraîchir la page tout à l'heure. Donc, juste le temps de me faire un petit réglage. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Et juste après, on regardera l'apparition de Gaulavier. Chut, on attend. Hop. J'ai dit on attend. Tac, et on fait. Ouais, on va faire comme ça. Quelque chose qui m'a beaucoup plu. T'as un vague aperçu d'une esquisse de brouillon de solution potentielle. Ah ouais, donc ça progresse, du coup. Écoutez-moi ça. Salut Linodine. Salut Boutotom. Chouette, hein? Ça m'a beaucoup plu. Salut Aerosim. Alors, attends, je vais retrouver la description. Dès que ça arrête de ramer.
Parce que sinon, il fallait que je change tout mon calage si je le faisais pas en plein écran. Chaise, pourquoi je le trouve plus ? Oh, ça rame ! Allez ! Je le trouve plus ! Oh là là ! C'est là quand tu vois que c'est la... Oh. Et là, je tombe sur quelqu'un qui partage des photos de Katniss. Personne n'est infaillible. Allez, ça dégage. Voilà. Et ben, je trouve plus le descriptif. Et c'est bizarre parce que là, ça apparaît sur mon profil et sur mon propre compte, ça n'apparaît pas. J'aimerais une petite explication, les gars. Ça y est. Donc, je vous lis la description. Prenez-en, mesdames, sentez leur pouvoir. Ces jeunes femmes arrivent et elles incarnent pleinement leur rage sacrée. La rage que nous avons supprimée pour être petits, pour être sûrs, pour maintenir la paix. Potent et éveillé, ils nous montrent ce que nous avons oublié, elles nous montrent ce que nous avons enterré. Mais nous nous souvenons, la déesse est de retour. Donc, Fire from Elements... Third Movement, composé par Katerina Gimon, performé par le TMEA, Texas All State Treble Choir. Voilà. Pour la description. Alors, attends, je vais te donner le lien. Attends, on va faire comme ça. Dès que ça arrête de ramer, ça bloque. J'en ai marre. Non, mais j'ai tout qui bloque, c'est insupportable. J'ai tout qui plante. Bon. C'est pas grave. Je vais juste recacher le navigateur, le temps de... Ah ouais, c'était... Ouais, niveau puissance, on est pas mal. Hein. On va pas se mentir. Tac. Je vais carrément retourner dessus, ce sera plus simple. Tac. Voilà. On va y arriver. Je suis désolée, c'est sur Facebook. Hein. Voilà. Hop, et je remets le navigateur. Faire pareil dans la rue, ce serait beau. Ouais. Et donc, ce que nous a donné tout à l'heure Golavier. Je crois que c'est mieux si je parle par-dessus la musique. Parce que pour pas me faire strike, on sait jamais, c'est mieux quand même. Juste pour éviter les soucis en fait. Parce que bon, comme vous le savez, nous sommes sur Twitch. Et des fois, ils sont pas contents. Surtout que les jours de lecture,
J'héberge la vidéo sur YouTube. Et après, ils sont pas contents non plus. merci pour le lien, c'était Mims. Mais ouais, YouTube, alors j'ai des réclamations. Suite à l'hébergement de mes lives, parce que des fois on regarde des trucs à côté, et des fois dans les trucs qu'on regarde à côté, il y a de la musique. Alors autant sur Twitch, j'ai encore jamais eu de réclamation, autant sur YouTube j'en ai, mais qu'ils sont trop gentils parce que c'est marqué, ça n'interdit pas la diffusion. Merci YouTube. Trop sympa. Enfin, bref. Donc, on va s'éclaircir la voix un petit peu avant de repartir sur la lecture. Oui, Katerina Guimon, le nom. Jeff, il aime pas la musique. Alors, Jeff, il aime la musique quand ça lui permet de gagner du flouze, du pèse, du pognon, de la moula, du blé. Sur YouTube, même si t'interdises la vidéo, faut leur expliquer que c'est du fair use et que t'es pas là pour l'argent. Ouais, par contre, après, ça met super longtemps avant qu'ils réagissent. Et là, c'est embêtant parce que c'est une lecture. Moi, je publie dans l'ordre. Après, c'est compliqué. C'est compliqué. Non pas qu'il y ait 500 000 personnes qui attendent avec impatience les lectures sur YouTube. Bon, ils ont qu'à venir sur Twitch, hein, voilà. Tant que tu n'essaies pas de t'approprier une œuvre, c'est bon, en fait. Ouais, mais après, si on peut éviter la période où il faut se justifier et pendant ce temps, c'est bloqué, bah c'est bien aussi, quoi. Donc, on avait fini là. On allait attaquer le chapitre 6. C'est de plus en plus rapide. Ah ouais, parce que fut un temps, c'était genre des mois pour avoir la réponse, quoi. En faisant des mash-ups, je peux dire que je suis à la pointe pour subir ce genre de choses. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Moi, j'ai eu plein de réclamations par rapport au fait que quand je fais des parodies de chansons, j'ai rien de correct pour enregistrer le son. Donc, quand je fais des parodies, je fais une version karaoké, donc il y a une version instrumentale, et je fais défiler les paroles. Et ben, j'ai des réclamations sur toutes mes parodies. Ça met 2-3 jours en moyenne, ils lâchent l'affaire. Ah ouais, ça c'est cool par contre. Ok. Par contre, j'ai jamais eu de vidéo interdite, j'ai juste des réclamations. Peut-être parce que, comme c'est des parodies, il n'y a pas la voix. Quand il y a la voix, parce que c'était mon pote Gaëtan Thomas qui les avait enregistrées, bah, c'était pas les paroles. Non, je sais pas. Mais faut pas avoir 3 vidéos interdites en même temps, d'accord. Mais interdiction, j'ai encore jamais eu. Hein. C'est ouais. C'est juste les réclamations, en fait. Ouais, c'est moins répréhensible, ouais, parce que ça coche pas toutes les cases de « on n'est pas content ». Donc, chapitre 6. philosophie, éthique, déontologie, est-ce qu'on serait pas un petit peu en plein dedans ces jours-ci? Je vous pose la question. Pardon. Même combat pour les travailleurs du lien. Avec Henri Saint-Jean, nous avons présenté ensemble une conférence sur la libéralisation du travail social en octobre 2021. Ma proposition pour ce débat faisait suite à l'accueil dans mon bureau d'une personne suivie dans le cadre du dispositif RSA pour les démarches essentiellement autour du logement et de la santé. J'ai appris qu'elle était accompagnée en parallèle par un travailleur social dit libéral. Pardon ? Quoi ? Hein ? Par un travailleur social dit libéral qui lui facturait l'accompagnement lié au logement à hauteur de 250 euros. Alors, attends. La personne est au RSA. Donc elle touche 500 balles.
a besoin d'un logement. Et l'autre, sa camarde, il lui facture 250 euros. Et en plus, phrase suivante, hein, il la suivait depuis 3 ans sans lui avoir trouvé une solution de relogement. Est-ce que ce serait pas un petit peu de l'escroquerie sur le dos des plus pauvres d'entre nous? Alors déjà, travailleur social libéral, j'ai fait un petit AVC, je vous le dis clairement, j'ai perdu des neurones sur ce coup-là. Salut Dayon, je t'avais pas vu. Ah bah bien sûr, le contrat qui les unissait ne prévoyait bien évidemment aucune obligation de résultat. Ça me rappelle Darmanin et les abus de faiblesse pour trouver un logement, ouais. Salut Chevalier Artide, bienvenue. Donc là, on va pas juste dire sac à merde, on va dire sac à merde. On va dire sac à merde. Cette espèce d'enflure qui se fait du fric sur le dos des gens au RSA. Ah, j'ai la tête qui explose là. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir et lui défoncer la gueule à cette espèce d'enfoiré. Ah, véhicule, on va laisser passer. Après, il y a certains métiers type conseil conjugal ou médiation familiale qui peuvent se pratiquer en libéral. Ouais, mais là, c'est un autre domaine. Là, c'est carrément le gars qui exploite la misère, quoi. Ouf. Il démarre très bien, ce chapitre. Il y a un remix, oui. Oui, j'aime bien les remix. Salut, Sentier Battant. Bienvenue. T'arrives à un moment où je m'énerve. C'est pile le bon moment, parce qu'on vient de lire là, je savais pas que ça existait, le coût du travailleur social libéral qui facture 250 boules à des gens qui sont au RSA pour leur trouver un logement et il n'a pas d'obligation de résultat. Donc là, on voit qu'une personne qui est suivie depuis 3 ans par cette espèce de raclure de fond de chiottes qui a touché ses 250 boules. C'est un demi-RSA. Ou en termes macronistes, donc Macron, quand il met des baskets, ses baskets valent un RSA, et ben ça vaut une basket de Macron. T'attends une imitation? Bah écoute, point de chaîne. Faut cumuler les points de chaîne et t'auras droit à Marlène. Quoique des fois, il y a des imitations sauvages qui surgissent dans le live. Bon, allez, on se reprend. On respire par le nez. Et on souffle. Voilà. Suivez-moi pour d'autres tutos, je reprends mon calme. J'ai été très surprise de l'apprendre. L'éthique, la philosophie et la déontologie du travail social ont été fortement questionnées. Mais Katia, il n'y a pas de question. C'est juste un sac à merde, en fait. Il n'y a pas de question. Oh là là, c'est beau. C'est beau cette solidarité dans le chat de Donio et Gigilou qui utilisent leur point de chaîne. Ok. Si, précisément celle-là, Sentier Battant. Et maintenant, du coup, je démarre. Je refusais que ça puisse exister. J'y voyais une forme d'abus de faiblesse. Nous avons décidé d'appeler cette conférence « Libéralisation du travail social, optimisation ou destruction ?» La question telle que posée permettait de structurer le débat autour de 2 points. Alors, en fait, ça me fait vraiment beaucoup de mal de lire vraiment ce passage.
qui est profondément sociale, parce que Katia Yacoubi, c'est vraiment quelqu'un qui a de grosses valeurs de gauche, et lire ça avec la voix de Marlène Schiappa, ça me perturbe quand même. Donc je vais juste partir un peu en roue libre, et après je reprendrai ce passage, parce que c'est hors de question de lire des trucs de gauche avec la voix de Marlène, même si, coucou c'est Marlène, je suis de gauche, bonne nouvelle. Ça me fait vraiment mal au fondement. Et va falloir que j'aille me faire un petit lissage brésilien pour me sentir un peu mieux après. Et attendez, placement de produit, c'est le moment ou jamais quand on imite Marlène. Même si Marlène, elle ne place pas ce produit-là. En plus, elle ne le fait pas gratuitement. Marlène ne dirait jamais ça. Non, non, non. Quelle indignité. Quelle indignité, Madame Schiappa. Normalement, ça devrait défriser tout seul, ouais. Il y a des chances. Donc, je reprends avec une voix normale. Pardon, Katia. Je refusais que cela puisse exister. J'y voyais une forme d'abus de faiblesse. Bah oui, c'est un abus de faiblesse, oui. Nous avons décidé d'appeler cette conférence « Libéralisation du travail social, optimisation ou destruction ». La question telle que posée permettait... Merci. Salut Actur Besni ou Benny, je sais pas, tu me diras comment je prononce. Merci pour le follow, bienvenue à toi. Donc la question telle que posée permettait de structurer le débat autour de deux points. L'optimisation, elle rejoint l'une des fonctions à laquelle a été assigné le travail social, c'est-à-dire le contrôle et l'assistance aux populations. La destruction, c'est un projet politique qui vise à mettre en place un changement de modèle confortant l'idéologie libérale contre les solidarités collectives. Et même dans l'optimisation, vous, je sais pas, moi je trouve qu'il y a un petit truc qui pue du cul, et notamment la partie contrôle. Parce qu'on est d'accord que c'est jamais l'assistance qui est optimisée, c'est le contrôle. Donc moi je dis, on met les deux dans les toilettes, on fait pipi dessus, tant qu'on y est, avec le brassard pour dire que quand même la Coupe du Monde au Qatar, c'est pas bien, même si on va jouer, et on tire la chasse d'eau. Alors, je vous rattrape un peu. Oh, c'est gentil, Adélilou. Ouais, faites mieux, Bouteau Tom, c'est ça, c'est ça. Le One Woman Show, je suis pas sûre. Ah, salut, alors c'est Rimka Bruxelles ou c'est Rimkbrux, ton pseudo. Enfin, bienvenue et merci pour le follow en tout cas. La prochaine fois, j'emploierai la bonne commande. Le S se prononce pas, donc Béné tout simplement. Ok, c'est noté. Merci. Dire pipi dessus, c'est écolo. Oui. Oui, 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 oui. Donc, là, c'est le moment où vous allez faire le bruit de quand c'est qu'on tourne une page. Tadam, magique. Rimka Bruxelles, ok, bah ça marche. Allez. Donc, l'action sociale prend d'autres formes, celles qu'impose la politique libérale. Nous avons tenté de répondre à ces deux questions à partir de trois points qui fondent l'action sociale. Les éléments idéologiques, les éléments économiques, législatifs et structurels, les éléments techniques qui sont ceux des qualifications de ces derniers. Je bafouille, pardon. Alors, ce que j'ai... c'est pas un article, c'est un livre. Donc, hop, on va... on va faire comme ça. Ça s'appelle les patates chaudes. Tac. Et c'est fait par Katia Yacoubi, qui m'a gentiment donné le document en PDF pour que je puisse vous le lire en live. Voilà. Donc là, c'est la page de présentation sur le site de l'Insoumission. Et c'est pour ça que je suis obligée de changer de page, parce que c'est le document d'éditeur, en fait, qu'on a sous les yeux. Hop, non, comme ça.
qu'on a sous les yeux. Voilà, mieux. Et donc oui, c'est une présentation d'éditeur. Tac, et là je suis pas sur la bonne page. Voilà, qui est mieux ? Katia Yacoubi, c'est une insoumise qui est travailleuse sociale à Marseille, qui a écrit ce livre, parce que bah, ça la saoule un petit peu tout ça, toutes les choses qu'elle voit, etc. etc. Salut Siolaosa, oui, tu es Prums. La première modo arrivée dans le chat. Comme toujours Siolaosa, toujours première. Et de toute façon, toujours première dans nos cœurs. Et donc les patates chaudes, en fait, ce sont les dossiers sociaux où il y a plusieurs problématiques qui interviennent. Et bah, personne ne sait comment gérer le truc, on se le refile de l'un à l'autre parce que personne ne sait faire. Ça la choque. Clairement, ça la choque. Déjà, le terme patates chaudes, ça l'a choqué. Et après, la pratique, elle nous en parle là-dedans, quoi. Salut Mash Lives, bienvenue. Donc, les éléments idéologiques. Nous sommes partis des origines du travail social. L'action sociale fut rendue nécessaire lorsqu'au XIXe siècle va se généraliser le salariat et l'émergence d'une classe sociale, la classe ouvrière. L'exode rural et le développement urbain va générer des nouvelles configurations dans les relations sociales qui entraînent au moins deux ruptures importantes. Il y a celle d'un nouveau rapport qui est celui de la vente de la force de travail. Un patron ne vous donne jamais de travail. Un patron loue votre force de travail. Il ne l'achète pas parce que vous la conservez. Vous la lui prêtez le temps de vos heures de boulot. Donc il fait de la location de votre force de travail. Mais en tout cas, jamais, jamais, jamais il ne vous donne du travail. C'est faux. Il a besoin de vous. Il a besoin de vous. Pendant l'Ancien Régime, la force de travail était au service d'un maître et d'un seigneur à vie, et ce rapport apparaissait comme naturel. Donc, un maître et un seigneur à vie, là, on pense au servage, qui était... les serfs étaient des esclaves, hein, disons-le clairement. Mais à côté de ça, il y avait aussi des gens qui étaient des travailleurs libres. Libre parce que non soumis aux lois du servage, mais qui dépendaient quand même de tout un tas de gens qui étaient au-dessus de ne serait-ce que parce que très peu d'entre eux possédaient la terre. Il y avait des métayers, par exemple. Le métayer, il travaille la terre, mais il paye pour pouvoir travailler dessus. Jacoule croquant, tout ça, vous avez tous les images en tête. Ça peut partir très vite, hein. Non seulement j'ai plus de boulot, mais en plus j'ai plus de maison. Sauf si tu finis épuisé, handicapé à cause du travail, là on peut dire que le patron te l'a prise, ta force de travail. Oui, oui. Après, oui, l'éloge professionnelle. Les artisans, il y avait généralement quelqu'un au-dessus. À moins d'être un maître tisserand, un maître verrier, etc., etc., un maître 50. J'aurais dû tout féminiser aussi. Ouais. Ouais. Donc, même si c'était pas forcément par les liens du servage, en général, il y avait du monde au-dessus. La révolution de 1789, qui introduit la question de l'égalité, modifia cette situation. Même si, par ailleurs, elle légitima une inégalité, celle d'acheter la force de travail et de la vendre, qui apparaissait comme des libertés à égalité. Même histoire ici, ouais, ouais. Là, on connaît. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Si tu peux me reprendre le travail que tu me donnes, c'est que la propriété des moyens de production, c'est du vol, j'ai tout mélangé. Et bien évidemment, donner pour donner, tout donner, c'est la seule façon d'exploiter. Comme ça, j'ai tout mélangé aussi. Donio, tu te sens moins seul ?
Dion qui souffre à cause de Donio, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible ce qui vous est arrivé. Reprenons. Donc, ce qui est bien sûr discutable. La différence avec la condition d'esclave ou de serf qui avait précédé était que le patron était seulement propriétaire de la force de travail qui lui était vendue. Mais je t'en prie, Donio, c'est de bon cœur. Celui qui la lui vendait pouvait, dans les périodes où les demandes de main-d'œuvre étaient importantes, aller la vendre ailleurs. Dans les sociétés d'Ancien Régime, le contrôle social sur toutes et tous dans les villages ne devenait plus possible lorsque les développements urbains généraient un anonymat au sein duquel la structure naturelle, la famille, allait se transformer et perdre son rôle d'institution de socialisation. Sachant que la famille, c'était pas seulement les parents, les enfants. Dans les structures de village avec très peu de mobilité géographique, c'était, vous savez, quand on dit les cousins à la mode de Bretagne. C'est-à-dire le cousin du cousin, de la cousine, de la grand-tante, de l'arrière-grand-oncle du côté de la grand-mère. Quand on fait une cousinade en Bretagne, c'est pas juste 10 personnes. Faut de la grande table. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans les mariages bretons, autrefois, les mariages bretons paysans, j'entends, ils ne s'emmerdaient pas à faire des tables. Ils faisaient des tranchées. Donc, hop là, donc il y avait une bande de terre, une tranchée de chaque côté, et la bande de terre du milieu, c'était la table. Et tu t'asseyais le cul au bord de la tranchée et les pieds dedans. Et comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de cousins qui se pointaient, il y avait facilement des 200 personnes, des trucs comme ça. Ouais, carrément, carrément. Parce que quand tu dois inviter 200 personnes pour un mariage, alors ça fait combien de tables, combien de bancs, combien de... Non, non, c'est bon, tu fais les trous dans le sol et puis ça va bien, quoi. Gros pique-nique, c'est ça. Gros pique-nique. Table écolo, ouais, c'est ça. Si le terrain est humide, aussi des moustiques, en plus des cousins. Poudoum. D'où le nom de cul terreux, ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Mais oui, ça fait partie des choses. Si vous ne connaissez pas le cheval d'orgueil de Pierre-Jacques Elias, alors je ne connais pas les bails personnels de Pierre-Jacques Elias. En revanche, j'ai appris plein de choses sur la Bretagne bretonnante dans ce livre. La Bretagne bretonnante du début du 20e, je crois, quelque chose comme ça. Puisque bah, ça se passe du côté du Morbihan. Et il y a plein de trucs que j'ai appris comme ça. J'ai adoré ce livre. Donc, reprenons. Le travail en manufacture, puis sa généralisation, comme celle de l'école et de l'instruction publique, transformèrent les rapports de domination. Changement de page. Même si différents régimes politiques se succédèrent, Premier Empire avec Napoléon Ier, pardon, Restauration monarchique, Second Empire avec Napoléon III, le phénomène de l'industrialisation et de changement de mode de production économique était de fait l'élément qui allait imposer de répondre aux questions sociales générées. Aux solidarités mécaniques, les enfants s'occupant des parents, lesquels, à leur tour, le faisaient à l'âge adulte, se sont substituées des solidarités organiques, compte tenu de l'affaiblissement de la fonction solidaire que pouvait remplir la famille élargie jusqu'alors modèle dominant. Certes, les solidarités intergénérationnelles n'ont jamais totalement disparu, mais le cadre familial était de moins en moins étendu ou coexistait jusqu'à 3 générations. Donc à partir du moment où il y a l'exode rural, les cousinades, comme je viens de l'évoquer, les cousins y restaient derrière. Les campagnes se vidaient, mais pas forcément toutes dans la même direction. Parfois, il y avait des familles élargies qui s'arrangeaient
pour se retrouver à peu près dans le même coin et essayaient de maintenir ce lien, mais c'était pas forcément toujours le cas. Donc il y a une grosse perte de lien et de cette forme de solidarité. Il devenait plus mobile dans l'espace et le temps pour tendre vers un modèle de famille nucléaire. Parents, enfants, etc. De ce fait, se sont mises en place de nouvelles formes de solidarité devant les difficultés matérielles qui ne manquaient pas. Perte d'emploi, maladie, décès, etc. Ces solidarités organiques se sont structurées d'une part autour des anciennes sociétés de compagnonnage, même si la loi Le Chapelier avait interdit les corporations, et d'autre part autour de ce qui avait assuré de longue date l'aide charitable, les institutions religieuses. À cela, ajoutons les fameuses dames patronesses. Les dames patronesses dont le rôle consistait majoritairement à apporter la paix sociale. Parce que tu étais en rogne contre le patron qui te traitait mal, qui te payait mal, qui te faisait travailler dans des conditions de merde, voire dangereuses. Mais il y avait sa femme de temps en temps qui venait et qui distribuait un peu de pain, quelques pommes de terre, des vêtements usagés pour les enfants. Et donc du coup, oh, elle est tellement gentille, la femme du patron. Alors du coup, si on a envie de péter la gueule du patron, ça va faire de la peine à sa femme. Il y avait aussi... Oui, l'aumône, oui, c'est ça, c'est tiens mon jacouille. Il y avait aussi un rôle au niveau de la société dominante entre dames patronesses. Un petit concours de générosité, enfin pas trop quand même, parce qu'après les pauvres, ils vont s'habituer au confort. Mais quand une dame patronesse faisait sa distribution, bien souvent, elle amenait avec elle quelques-unes de ses amies. Parce qu'en fait, quand vous, je sais pas, moi je pars du principe que les gens que tu amènes pour montrer qu'en fait, ce que tu fais, c'est mieux que ce qu'ils font eux, moi j'appelle pas ça de l'amitié. Parce que quand tu es ami avec quelqu'un, tu n'as pas envie de l'écraser en lui donnant l'image de ta générosité envers les pauvres. Mais c'est peut-être mes biais de gauche hein, qui me font dire ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc il y avait aussi ce concours de générosité entre dames patronesses. Ça permettait de faire d'une pierre deux coups. Parce que oui, il y a aussi des liens de domination entre riches. Qui que c'est qui est le meilleur? Quand on vous dit qu'ils sont puants, en général, c'est d'un bout à l'autre. Donc, continuons. je voulais dire un truc aussi. Les institutions religieuses. Parce que c'est, faut pas passer à côté. Catholique, hein. Vous allez 99% du temps. Catholique. Ça permet aussi de maintenir le lien entre les prolos et l'institution religieuse. Parce que l'institution religieuse, et là on va revenir sur le principe de la morale, et ben elle dit comment il faut se comporter. Et mine de rien, un peuple ouvrier qui essaie de coller autant que faire se peut à la morale religieuse, ben c'est un peuple ouvrier qui se tient sage. Et ça, c'est important pour le tenir. Tant qu'on ne sent pas le poids de ses chaînes, on ne sait pas qu'on n'est pas libre. Fais la bonne action sans intérêt ou alors ne fais rien. Eh oui, eh oui. Aujourd'hui, ça s'appelle charity business. Hein. Coucou les enfoirés. Si le pouvoir politique était méfiant vis-à-vis des sociétés mutualistes, il s'appuyait sur les institutions dites philanthropiques qui avaient pour fonction de veiller à l'harmonie sociale. Et non pas à faire du bien aux pauvres, veiller à l'harmonie sociale. Des pauvres qui se tiennent sages. L'État et le pouvoir politique se voulaient neutres vis-à-vis des conflits de classe.
entre une bourgeoisie qui voulait légitimer son exploitation et accroître les profits qu'elle pouvait en tirer, et la classe ouvrière qui, de son côté, voulait améliorer ses conditions de vie sociale. Donc, un petit coucou pour la neutralité de l'État et du pouvoir politique à l'époque des grands mouvements ouvriers, où, quand on voyait arriver les gaziers montés à cheval avec des armes, eh ben c'était sur les ouvriers qui tiraient, dis donc. C'était rarement sur les patrons. Mais en toute neutralité, bien évidemment. Le clergé, ça permet aussi de faire du renseignement à bas coût grâce à la confession. Oui, également. Mais sentier battant, qu'est-ce que tu racontes? Il y a le secret de la confession. Il ne pouvait pas faire ça. Je crois que tu es un peu mauvaise langue. Donc la neutralité, c'est dans notre cul à nous. Hein. Juste pour resituer le truc. Ce conflit s'est réglé avec la mise en place du droit social, CF Donzelo, l'invention du social, mais c'est également ajouté une fonction de contrôle, celle d'une police des familles que remplirent les sociétés philanthropiques. L'idéologie chrétienne qui imprégnait les patrons philanthropes les amenait à conduire des modèles de familistère, les fameuses cités ouvrières, qui tentaient de recréer le monde clos des villages, où le contrôle des populations était de fait régulé par les curés, puisque le pays gardait un fort sentiment religieux. Changement de page. Tu avais jamais pensé l'île marxiste ? Ben, imagine, tu es un bon chrétien ou une bonne chrétienne, pauvre, donc qu'il faut contrôler. Les curés et les nobles se tenaient par la main. C'est normal, ils avaient les mêmes intérêts. Donc t'es le petit chrétien ou la petite chrétienne bien sage qui a fait un truc pas bien, et si tu t'en tiens à la religion, il faut que tu ailles te confesser, sinon tu ne pourras pas recevoir l'absolution. Donc là, le curé, tu lui confies tes pires secrets. Si un jour tu veux participer à une jacquerie, à quelque chose comme ça, quelle est la première personne qu'on va t'envoyer pour te dissuader de participer à la jacquerie? Eh bien, c'est le curé auquel tu auras confié tes pires secrets. Alors, ils vont pas forcément poucave. Par contre, à partir du moment où il sait des choses sur toi, ça lui donne un pouvoir sur toi. Désolé si tu es croyante et que du coup ça te heurte, mais c'est un fait. C'est un fait. Et des fois, ça allait jusqu'à poucave. Selon la gravité de la chose, selon ce que tu as l'intention de commettre comme acte contre la bonne société, ça revient à donner des armes à quelqu'un qui, un jour, peut devenir ton adversaire. Merci Fidel Bill pour ton follow. Bienvenue. On est en train de lire Les patates chaudes de Katia Yacoubi. Oui, c'est un moyen de pression. C'est un moyen de pression. Et oui, clairement, c'était utilisé de manière récurrente. Oui, je suis sur la bonne page, ok. Devant les conditions misérables que connaissait la population, les dames de charité, religieuses ou femmes de la bourgeoisie, s'étaient investies d'une mission caritative. On arrive aux dames patronesses. Salut, Jujuskel. Technique utile aussi pendant la colonisation en Amérique du Sud, le prêtre missionnaire qui convertit. Oui, aussi. Mais, alors technique utile mais dangereuse, parce que il fallait doser. En Amérique du Sud, ils avaient le droit d'avoir des esclaves,
tant que les esclaves n'étaient pas convertis. Donc convertir, oui, mais pas tout le monde. On a besoin que les mecs ils aillent bosser gratos en étant maltraités et traités et considérés comme des biens mobiliers. Donc autant Pokémon c'est attraper les tous, autant l'Amérique du Sud c'était pas convertissez les tous. Juste assez pour casser le lien avec les origines. C'est subtil, hein, faut doser. Hein, faut doser hein. Commencèrent en même temps que la mise en place d'une aide matérielle ponctuelle, une moralisation dans l'établissement d'une norme conjugale où la femme se devait d'être avant tout bonne mère et bonne épouse. Vous le sentez venir, le devoir conjugal ? Et être en fait les prolétaires... il me manque des trucs dans la... Et être en fait les prolétaires des hommes... Ah, que les femmes, pardon. Donc pour les femmes, être en fait les prolétaires des hommes, comme l'écrivaient Marx et Engels. Il y a là une dualité qui fut la racine de l'action sociale entre, d'un côté, les revendications d'amélioration des conditions de vie de la classe ouvrière et celle de son contrôle par la bourgeoisie, qui craignait que cette classe laborieuse devienne dangereuse. Parce que donc là, il y avait les patrons, là, ici, et là, il y avait les ouvriers. Vous avez déjà vu cette fameuse image d'une planche qui est comme ça posée au bord d'un précipice. Là, il y a un gars tout seul, et de l'autre côté, il y a plein de gens sur la planche. Si les gens s'enlèvent de la planche, le gars, il tombe dans le précipice. Il y a de nombreux écrits là-dessus, notamment pendant la période de l'Inquisition, notamment. Ouais. Oui, le fameux divisé pour mieux régner, bien sûr. Il y a aussi une autre image. Toute une troupe de gens qui sont à genoux recroquevillés comme ça, parce qu'il y a un gars qui est au bout de la file et qui a un fouet à la main. Et au bout d'un moment, parmi tous ceux qui sont recroquevillés, il y en a un qui se lève, et un deuxième, et un troisième. Et au bout d'un moment, c'est le mec tout seul avec son fouet qui flippe. C'est le même genre d'image. Pour l'Inquisition, je savais c'était chaud, mais je savais pas que ça se faisait en France et plus tard. Oui, on respecte les croyances ici. Le « aimez-vous les uns les autres » est tellement plus enrichissant, mais pas facile à l'application naturelle. Ouais. Bah aussi parce que dans toutes les religions du livre, t'as une partie qui est plus cool, et t'as une partie en général la plus ancienne, qui est quand même pas mal barbare, à base... ça parle de massacres, ça parle de trucs comme ça. Hein. Dans les trois religions du livre, il y a ça. Hein. Alors, le fait est, l'île marxiste, que... Bon, moi, je suis pas croyante. Je fus bouffe curée. J'ai carrément eu ma période anticléricale hardcore. Mais, curieusement, dans un jeu de rôle... où mon personnage était très croyant, j'ai compris, en interprétant ce personnage, j'ai compris le soutien que ça pouvait apporter. J'ai compris plein de fonctionnements, en fait. Sentier battant, les liens passent pas dans le chat, donc tu peux envoyer un modo ou à moi en chuchotement. Mais là, en fait, toi, tu vois ton lien, nous, on voit trois astérisques. C'est clair que prenez la paix en faisant la guerre, pas génial, génial, c'est ça. Non, mais clairement, moi, en interprétant ce personnage, j'ai vraiment compris ce que ça pouvait apporter. Ah, joli, j'avais pas vu. Joli, Donio. 1 an d'école coranique, 4 ans chez les nonnes et je suis athée. Ouais, t'as quasiment tout fait, ouais. Après, j'ai tellement entendu ma mère parler des mauvais traitements qu'elle avait reçus de la part des bonnes sœurs quand elle était à l'école,
que ça ne m'avait pas mise dans de bonnes dispositions. Hein. À tel point que je ne comprenais pas comment elle avait pu rester croyante. Perso, c'est en ayant des proches avec qui je m'entends très bien que j'ai fini par comprendre et respecter la foi, toujours pas la religion. Ouais, maître en escrive, Dayon, ouais. Respect, respect. Hop. Donc, le lien de santé battant, il est là. Toi, père anti-religieux, t'es musulmane. Oui, on peut être anti-clérical et pas être anti-croyant. Ouais, ouais. Il y a le jeu Final Fantasy X qui m'a fait réaliser l'importance que ça pouvait avoir la religion chez certaines personnes aussi. Ma mère aussi, conchère, contrariée par les bonnes sœurs depuis son enfance. Ouais. Bah la mienne, elle a eu droit à des violences physiques et tout. Hein. Donc vraiment du sale. Mais au travers de ce jeu de rôle, en interprétant ce personnage, bah en fait, elle remettait tout à Dieu. Elle remettait sa vie dans les mains de Dieu. Ce qui lui arrivait de pire dans sa vie, c'était Dieu qui l'avait voulu. Donc il y avait quelque part une facilité à affronter les choses. Enfin, pas une facilité, une aide pour affronter les choses. Oui, ça y est, je l'ai mis dans le chat, Sentier Battant. Ma mère a un bon souvenir des religieuses de son école. Est-ce que parce qu'elles étaient gentilles ou est-ce aussi parce qu'elle a eu droit à la pédagogie Montessori en maternelle? Je sais pas. Ah, t'as une petite rupture de faisceau. D'accord. Non, on l'a bien vu, on l'a bien vu. D'ailleurs, par contre, ce que je vais faire, je vais cliquer dessus. Comme ça, ça pourra le caler, hop là, dans l'historique. À tes souhaits, poudoumchi. Tac. De toute façon, la plupart des cathos droitards, si ce gauchiste de Jésus se repointait, ce seraient les premiers à aller acheter des clous chez Casto. Oui. Oui. La fameuse phrase « Jésus était un hippie ». Rien que l'histoire de chasser les marchands du temple, à mon avis, ça passe pas. Hein. Ça passe pas. Bon, reprenons. Reprenons. C'est marrant comme quand ça parle de bourgeois tout de suite, on a des trucs à dire et ça nous énerve. Hormis l'évolution des cadres légaux déjà évoqués avec les lois sociales, nous constatons que depuis cette époque, le pouvoir politique laisse la gestion de la question sociale au secteur caritatif. Il concentre ses interventions autour d'un projet politique républicain qui vise à préparer les nouvelles générations à la citoyenneté au service de la nation et de la production. La mise en place de l'enseignement et de l'école en constitue l'élément le plus important. Sachant que pour les populations d'enfants qui sont hors normes, c'est-à-dire rétifs à se conformer au cadre et aux exigences de l'enseignement, là encore, c'est le secteur privé, religieux et puis associatif qui va gérer ces publics. Ah mais c'est la base, hein, l'île marxiste. Comment dire ? Je fais pas un combat, alors idéalement, mais vraiment dans une utopie, j'aimerais qu'il n'y ait plus de religion du tout. Parce que ça voudrait dire que les hommes ne ressentent plus le besoin d'une religion. Et humainement, ça voudrait dire qu'on serait arrivé à un niveau de compréhension des choses, de respect mutuel, d'équité, de tout ça, de vraiment, là on serait au top du top si plus aucun humain n'avait besoin de religion. J'aimerais que ça se produise. C'est pas le cas. On n'en est pas là. Mais à partir de là, quelqu'un qui pratique sa religion sans emmerder les autres avec, c'est suffisant.
C'est comme disait le panneau dans la manif, c'est une des images que j'ai préférées ces dernières années. Avoir une religion, c'est comme avoir un pénis. C'est ok de l'avoir. C'est ok de s'en servir. Maintenant, si tu essaies de réfléchir avec, d'écrire des lois avec, ou de le donner de force aux enfants, on va pas être d'accord. Donc, j'ai trouvé que ce panneau qui passait pour faire une vanne, en fait, il y a une vraie réflexion derrière. Voilà. Enfin, avoir une pénis, un pénis ou une foufoune, évidemment. Vu comment il a été marketé, le gars Jésus, depuis 2000 ans, on peut le considérer comme un produit en croix. Poudoum. C'est joli. Dans la vraie vie, il n'y a pas autant de droits. Ouais. 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 Et de la même façon... merci pour le follow JNPBV. Bienvenue. Ça va être JN, hein, ça ira plus vite, je crois. De la même façon, en ce moment, tu as le combat des femmes en Iran pour retirer leur voile, qui risquent leur vie, pour avoir le droit de le retirer. Tu as des gens qui utilisent ce combat des femmes iraniennes, dont ils n'ont rien à foutre, hein, les femmes iraniennes en général, et d'habitude, mais là, ils l'utilisent contre les femmes françaises qui portent le voile. Notamment ce dessin de Coco que j'ai cité, avec une femme iranienne qui dit « Je risque ma vie pour pouvoir retirer mon voile. » Et donc une autre femme qui, elle, porte le voile et qui dit « Je suis française et je te pisse à l'arrêt. » La violence du truc. La violence du truc. C'est pas comparable. C'est juste pas comparable. Et c'est une grosse dégueulasserie d'utiliser le combat des unes et la volonté des autres juste autour du voile. Enfin, c'est fatigant, c'est fatigant. Alors, je vous rattrape un peu avant de redémarrer la lecture. Sur le charity business... merci Céline Dion pour le follow. Bienvenue. Et merci aussi à Rakakir. Bienvenue à vous deux. Sur le charity business, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille Les Nababs de la pauvreté de Graham Hancock. Ok. Je connais pas. Mais il y a encore des trucs énervants dedans, je suis sûre. Des neurologues ont mesuré que statistiquement 15 à 20% des humains ont un besoin presque physiologique d'avoir une croyance ou une entité supérieure. Ouais, j'ai vu passer ça. J'ai vu passer, je me souviens pas où, mais... Blasphème, nous sommes les créatures de la tortue volante. Et le grand plat de spaghetti. C'est toi qui blasphème. Ah, c'est Dimdion, big up pour le pseudo, ouais. Ouais, il y a des trucs qui nervent dedans. Ouais, voilà, je le sentais. Faut dire aussi qu'on est vachement, énervables, nous, à gauche. Hein. Sur l'aide internationale, ok. Donc, we are the world, tout ça, machin. Allez, continuons. Il y a dans le temps une corrélation entre les lois scolaires et la déchéance de l'autorité paternelle. L'État avait déjà réglementé le travail des enfants. Pas d'interdiction, mais une réglementation. Youhou ! Et l'obligation scolaire est venue parachever cette question. En clair, l'État se donne les moyens légaux de contrôler le peuple. Et c'est pas l'ego, les petites briques... non, c'est pas ça. Il laisse jamais indifférent. Bah ouais. Et pourtant, elle se meut. Elle se meut. Alors, les éléments économiques, législatifs et structurels. Faites dans votre tête le bruit du changement de page. Mais faites pas comme Jashugan l'autre jour. Ne déchirez pas la page, s'il vous plaît.
Que ce soit pour l'éducation ou pour l'action sociale, va se poser la question de coût et donc du financement de sa mise en œuvre et la mise en place d'un cadre législatif pour son exercice. Deux modèles de protection sociale existent, les mutuelles, héritage des anciennes corporations et l'aide sociale, assurées par les patrons, mais qui par la suite le seront par l'impôt sur le revenu. Pardon, pour les nouveaux arrivants, j'oubliais, on est en train de lire « Les patates chaudes » de Katia Yacoubi, qui est travailleuse sociale à Marseille et également militante insoumise. Et je vais boire un petit coup. Que ce soit pour l'éducation ou pour l'action sociale, va se poser la question de coût, et je viens de le lire. C'était pour voir si vous suiviez. Je m'auto-fatigue. Sachez-le. C'est le 15 juillet 1914 que le Sénat adopte la création de l'impôt progressif sur l'ensemble des revenus, après plus de 60 ans de débats sur la fiscalité. Ça fait long de débat quand même. Hein. Et en plus, si ça se trouve, 60 ans de débat sur la fiscalité, il y en a tellement qui restent accrochés à leur poste que si ça se trouve, ils étaient là au début des discussions. Et ils étaient encore là à la fin. Il y en a, ils en sont capables. Hein. Ah, excusez-moi, je vais éternuer. Désolé. Oui, si la OSA, c'est le, oui, c'est le décalage horaire, bien sûr. C'est le temps que ton message arrive de la réunion. Je comprends. C'est donc le conflit autour de la réappropriation de la plus-value. Des lois sur les assurances sociales et l'obligation de cotisation pour faire face aux accidents de la vie font l'objet d'un combat entre le prolétariat et la bourgeoisie, ce qui va permettre la naissance de l'État-providence. Et alors, la notion d'État-providence, les manieurs parlent en premier. Partent, pardon. J'ai gâché ta blague, je suis désolée. Ah, mais t'as pas fait exprès de pas mettre meilleur. Je croyais que c'était une vanne, en fait. Je croyais que c'était une vanne, je suis désolée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc oui, la notion d'État-providence, je me suis moi-même fait bananer il n'y a pas si longtemps, à force d'entendre ce mot prononcé par des droitos, ah, ça va l'État-providence, eh ben je croyais que c'était un terme de droite, alors que non, ça fait partie des mots qu'il faut qu'on récupère, qu'on réintègre dans notre vocabulaire, avec le sens que nous, on lui donne. Zéro sel aussi pour toi, Gigilou, la pêche est mauvaise. Hein. Ouais. Bah, tu sais, après, ça dépend d'où vient le vent. Providence, c'est comme le ruissellement, c'est pas pour tout le monde. Donc ça, l'État-providence, ne faites pas comme moi, ne considérez pas que ça vient de la droite, ce terme. La droite crache dessus. Et la droite crache quand elle le prononce. Mais ça vient pas d'eux. Donc, c'est le passage d'un modèle caritatif, donc, tiens mon jacouille, à un modèle de solidarité qui s'inspire des fameux principes socialistes. Chacun doit cotiser selon ses moyens et être aidé selon ses besoins. Et il n'y a pas de corrélation entre les deux niveaux. De ce point de vue, il existe deux modèles. Le modèle Bismarck, il s'appuie sur des cotisations prises sur les salaires. Le modèle Beveridge, il repose sur l'impôt. Aujourd'hui, la droite s'est appropriée bien plus que nos termes. Ça va jusqu'à nos références philosophiques. Depuis un moment, il faudrait résoudre ce souci. Oui. Et je travaille sur des lives qui vont être
plus en profondeur. Donc c'est pour ça qu'il faut un gros travail en amont. Et j'appellerai ça comme ceci. Et j'ai fait une faute de frappe, donc démo. Pour qu'on retrouve notre vocabulaire, qu'on lui redonne son sens initial, qu'on le réutilise. Et alors, idéalement, quand ça se sera fait bien comme il faut, éventuellement, l'idée d'aller leur piquer leurs mots à eux, et de s'en servir, mais en mettant des vrais morceaux de wokisme dedans pour bien les faire chier. Ça, ce serait rigolo. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'arriver jusque-là. Mais déjà, reprendre nos affaires à nous, qui ont été toutes salies avec des morceaux de droite. Donc on les reprend, on les lave, on les réutilise. Et on lâche plus de terrain. Parce que là, ah bah ouais, mais ça on peut plus dire, c'est la droite qu'on parle. Bah la droite, je l'emmerde. La droite, elle se sert pas de mes affaires. Ça, c'est à nous. Donc tu permets, hop, merci. Dégage. Quelque chose plus ou moins comme ça. Donc, en France, c'est un mixte qui va prévaloir. La première moitié du XXe siècle, avec les deux guerres, est marquée par cette mise en place. Secteur par secteur, les assurances sociales se mettent en place. Mais c'est dans un premier temps le Front populaire qui votera des lois qui vont assurer les moyens de l'action sociale. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, le régime de Vichy, dans sa démarche paternaliste, va non pas en assurer la continuité, mais conforter les moyens de la mener, tout en la déléguant au secteur privé, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. On est des fachos, et les fachos, ils sont copains avec les capitalistes. De ce point de vue, le secteur dit de l'enfance inadaptée en a été l'illustration. Oui, je suis majoritairement bretonne. 50% bretonne et 50% mélangée. Mais je ne suis pas née en Bretagne et je n'ai jamais vécu en Bretagne, malheureusement. Donc n'oublions pas le Front populaire. Oui, ils ont fait des choses. Mais ils ont fait des choses pourquoi ? Parce que la rue les a poussés aux derches. Sans quoi Léon Blum ne serait sans doute pas allé aussi loin que ce qu'a fait le Front populaire. Ça, faut en être conscient. De même que si nous, un jour, on arrive enfin à gagner. Ruffin dit à la fin c'est nous qu'on va gagner. Ouais, mais la fin c'est quand? Et commence à se faire tard un peu. Donc même si enfin on arrive un jour à gagner, il faudra que la rue continue à pousser. Parce qu'en face, la réaction va être très 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 forte et très vénère. Tu manges ta tergoule de contrebande. Conférence Nanar Frio. Ouais. Il n'y a pas que Friot qui l'a dit, il y a aussi... Ah, vous allez me taper, j'ai mangé son nom. Celui qui a une voix très haut perché, un peu désagréable, et qui parle beaucoup, qui parle longtemps, et qui utilise des mots qui ne sont pas forcément accessibles à tous. CF La Grèce, par exemple. Ouais, CF La Grèce. Lordon, je l'ai retrouvé toute seule. Salut à l'Amir 75, merci pour ton follow et bienvenue. Non, ouais, c'est à Lordon que je pensais. Lordon avait fait un texte sur qu'est-ce qui va se passer si Mélenchon gagne, en gros. Mais j'avais honte de plus avoir son nom, quoi. Et donc ça, faut pas oublier, hein, le jour où on gagne, le travail va commencer. Ce sera juste le début du travail, la première partie. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, dans la phase de reconstruction du pays et sur la base du programme du Conseil national de la résistance, CNR, et va te faire frire le dargeau sur une planche à froid, Macron d'avoir osé reprendre le sigle CNR pour mettre tes idées de merde dedans. Espèce de sac à main. Je finis la phrase. La nation se donne les moyens d'assurer l'aide sociale et familiale, sécurité sociale, allocation familiale.
Faites le bruit de la page qui tourne. Voilà. Oui, il y a du boulot pour reconstruire. Lordon, il est méchant tout le temps. C'est vrai que Lordon, il aime bien ouvrir la boîte à baffe un peu quand même. Petit peu des scuds, tout ça. Vous mettez de la crème fraîche avec les lordons dans vos tagliatelles à la carbonate. Ah, moi j'ai lu tel quel. J'avais bien senti la faute du correcteur, mais j'avais trouvé ça drôle de lire carbonate à la place. Ça faisait encore plus décalé, je trouve. Il y a un moment, il va falloir faire une commande page pour le son de la page qui tourne. Ouais, mais alors, si je prends le temps de faire la commande et après de tourner la page... Non, faites-le là. La matinale d'ost, vous faites de la méditation. Et ben là, c'est pareil, c'est du travail. Hop, du travail. Hop, pour de la page qui tourne. Voilà, juste un petit... Juste comme ça. On va se retrouver avec un cours de parapente. Donc, le patronat est contraint de participer à la reconstruction du pays. Les conquêtes du Front populaire font qu'on ça même des entreprises. La mise en place des comités d'entreprise a joué un rôle important en matière d'action sociale. ASS d'entreprise, colonies de vacances, etc. Pour autant, l'action sociale, si elle relève effectivement d'une mission de service public, a une mise en œuvre qui reste partagée entre un secteur public d'État ou territorial et un secteur associatif. Les responsabilités ministérielles dans ce domaine, après avoir été confiées à des ministres communistes, je crois qu'il manque carrément un morceau de phrase, là, en fait. Je vais relire. La tartiflette au lordon, bafou de tarte dans la droite. Très très bonne recette. Très bonne. Faites-en chez vous, hein. Tartiflette au lordon, on y va. Ouais, je pense qu'il manque un petit morceau là. Bon, on va le lire tel quel, c'est pas grave. C'est vont devenir ensuite, j'imagine. Donc, les responsabilités ministérielles dans ce domaine, après avoir été confiées à des ministres communistes, vont devenir ensuite le domaine réservé des chrétiens démocrates du MRP. Le député communiste des quartiers nord, François Billou, et Germaine Poinceau-Chapuis, députée du MRP, et première femme ministre de France, en ont été les acteurs d'après-guerre et les plus connus localement. Ouais, mets la recette sur Marmiton, Gigilou, vas-y. La tartiflette au lordon. Ouais, mais après, t'auras des commentaires du genre... j'avais pas de lordon... Donc j'ai mis du Finkielkraut et j'avais pas de gauche, donc j'ai mis de la droite. J'avais pas de droite, donc j'ai mis de la gauche. Mes enfants se sont régalés, ils en ont repris deux fois. Non, pas Marmiton en fait, non. Message juste sur un Discord de gauchistes, ça va aller. MRP sont les radicaux, il me semble. Attention. Barbara, investigation. Alors, mouvement républicain populaire. Parti politique français ayant existé de 44 à 67, il se présente comme un mouvement démocrate, chrétien et centriste, europhile et partisan d'une vision non conservatrice et sociale du catholicisme politique. Héritier du Parti démocrate populaire. Non, c'est pas radicaux alors. Non, si t'as pas de lordon, faut du frio. Ouais. Mais après, ça ressemble plus à un commentaire dans Marmiton. Si tu mets un truc qui s'approche. Ah. Encore un véhicule.
C'est l'ancêtre de l'UDF. Bah, y a le truc, il y a le bail chrétien dedans. Donc c'est l'ancêtre de... Jean-Philippe Poisson, là. Le truc chrétien, je sais pas quoi. Comment ça s'appelle? C'est pas Boutin aussi qui est dans le même parti que Poisson? L'archi-ancêtre du modem. Alors. Parti chrétien démocrate, c'est ça. Ouais, c'est ça, Parti chrétien démocrate. Non, moi je mets pas de poisson dans la tartiflette au lordon, parce que d'abord je m'appelle Goujon. Donc ce serait du cannibalisme. Je ne mange pas de poisson, du coup. Je peux pas. Non, en vrai je n'aime pas le poisson. Il y en a quelques-uns qui trouvent grâce à mes yeux, mais très peu nombreux. Et ce qui est le plus triste à dire, c'est que le goujon fait partie des poissons que j'accepte de manger. C'est triste. Parce que j'aime bien la friture. Donc le goujon fait partie de la friture. Reprenons. À partir des années 60, l'État va vouloir se donner des moyens pour contrôler et freiner des dépenses qui sont en augmentation. Ce sont par exemple les fameuses ordonnances de 64 sur la gestion des caisses de sécurité sociale et des textes pour réglementer et contrôler l'intervention sociale. Anthropophagie, tu veux dire? Non, cannibalisme, parce que dans anthropo, c'est l'humain. C'est l'humain d'abord, si j'ose dire. Heureusement, chez nous, il n'y a plus de cannibales. Le dernier qui est resté, on l'a mangé. Vous pouvez venir en toute tranquillité. C'est rassurant. Mais sinon, anthropophagie... Mangeons les riches. Pareil que toi, mais pour la morue, pour la brandade. Alors là, j'autorise le terme morue puisqu'il est question du poisson, vous l'aurez deviné. Donc, je reprends le passage parce qu'on a un petit peu déconné, quoi. À partir des années 60, l'État va pouvoir se donner des moyens pour contrôler et freiner des dépenses qui sont en augmentation. Ce sont par exemple les fameuses ordonnances de 64 sur la gestion des caisses de sécurité sociale et des textes pour réglementer et contrôler l'intervention sociale. C'est l'époque où apparaît la notion d'exclu et de handicap sous la houlette de René Lenoir. Il fait partie de ces hauts fonctionnaires qui, dans les années 50, vont s'engager corps et âme pour un projet de société inspiré par le programme du CNR. Diplômé de l'École nationale d'administration, la fameuse ENA, il intègre l'inspection des finances et se plonge dans les problèmes sociaux. Au fil de ses travaux et réflexions, il s'intéresse à tous ceux qui sont oubliés par la croissance économique des Trente Glorieuses. Les personnes âgées, les personnes handicapées, les pauvres... etc. Il publie en 1974 « Les exclus, un Français sur 10 », dans lequel il tire la sonnette d'alarme. Alors, c'est pas pour lui faire de la peine, mais maintenant, c'est plus un Français sur 10. La crise économique de 1973 va accélérer la volonté de l'État de réduire les dépenses. Salut, je peux pas, je suis en live. Cette réduction des budgets va dans un premier temps toucher les structures qui, dans la continuité des idées de mai 68, décidément, mettaient en place des actions alternatives. D'un autre côté, les textes ont imposé de plus en plus des cadres réglementaires normatifs. Bruit de page.
Là, c'est pareil, mai 68. C'est bien gentil de dire mai 68, mais il y a un moment, il va falloir s'habituer à dire 1900 devant. Tout comme les gens qui ont connu le début du XXe siècle, mais qui avaient connu la fin du XIXe, je pense que c'était la guerre de 70. On est d'accord que nous, on dit pas la guerre de 70. On dit la guerre de 1870. Alors même qu'on n'a pas eu de guerre chez nous en 1970. Mais donc là, je vais pas vous faire un ASMR versement d'eau quand même. Sinon, c'est des coups à tous vous envoyer pisser. Et du coup, je vais parler dans le vide. C'est vexant, Bob. De 1070, on est en guerre contre Skynet, oui. D'ailleurs, attends, c'est Fallout. On est en 2276, mais ça avait pété en 2076, non ? Quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. J'ai vu hier qu'il y avait des fans de Fallout dans le chat. Mais normalement, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein. Avec un gros retour sur les années, les années 50 au niveau du design et tout. 76, sûr. Mais ouais, il me semble que dans Fallout, on arrive en 2276 et la bombe a pété en 2076. I'll be back. Salut Riella. Donc, la deuxième rupture se fait dans le début des années 80 avec l'arrivée de la gauche de gouvernement au pouvoir. Mais très vite, avec le tournant de la rigueur, la politique menée va reprendre celle des gouvernements de droite et imposer l'austérité dans ce secteur d'activité. Le fameux tournant de la rigueur qui a fait beaucoup de mal aux gens de gauche qui avaient énormément d'espoir quand Mitterrand a été élu. Moi, j'ai vécu zéro deuil parce que comme je venais d'une famille de droite, l'élection de Mitterrand a été vue comme un cataclysme. Coucou Jacques Delors, oui, coucou Jacques Delors. C'est ça. Les fermetures d'entreprises industrielles vont à la fois accroître les problèmes sociaux avec une montée du chômage et du coup un transfert des charges qu'assuraient les comités d'entreprise vers les financements publics. Commande page coupée, envoyée. Déjà à l'époque, c'est la fin de l'État-providence et de sa main gauche généreuse pour faire à partir de 1984 des choix budgétaires qui vont transférer vers sa main droite, la répression, les profits, les moyens qui lui étaient autrefois alloués. D'un ratio où quand le coût du travail était quantifié à 160 allés au salaire et à la protection sociale et 40 au profit, il est aujourd'hui de 30 et 70. D'accord ? Et on est d'accord que là, 30, c'est les salaires et la protection sociale. Et 70, c'est les profits. Alors que avant, c'était 60 pour les salaires et la protection sociale, donc pour les gens, et 40 pour le profit. Vous la sentez, la douille ?
Oui, si la osa déchire tout, on peut le dire. Poudoum-tchi. C'est dans ces mêmes années que la dimension caritative, qui n'avait jamais totalement disparu, va reprendre le devant de la scène, l'illustration la plus connue étant l'initiative de Coluche et des Restos du Cœur. Il y a, indépendamment de l'importance à répondre aux urgences, un changement de paradigme à... Lex ? Lex ? Où es-tu ? Lex ? Paradigme ? Paradigme ! C'est l'initiative individuelle qui prend le relais de la carence des politiques publiques. C'est là que s'ouvre le débat entre initiative individuelle et intérêt commun et collectif. Rappelons à toutes fins utiles que dans tout ce qui est charity business, les gens qui donnent le plus, c'est pas les riches. C'est pas les riches. C'est les déciles du dessous. Ouais, mais les riches, ils donnent de leur temps. Alors, les pas riches, ils donnent de leur temps aussi parce que c'est des pas riches qui mettent en place le spectacle, les trucs, les costumes, les machins, les bidules. C'est des petites mains. C'est même des intermittents, du coup, parce que c'est du spectacle. Et les bénévoles des Restos du Cœur, c'est des pas riches également. Il y a même des bénévoles qui sont aussi des bénéficiaires. Rappelons aussi que beaucoup de gens, des artistes qui participent à ces opérations de charity business, pratiquent abondamment l'évasion fiscale. Alors, dans un premier temps, l'optimisation fiscale qui est légale, mais également l'évasion fiscale. C'est-à-dire que l'argent, que bien souvent ils gagnent sur le dos des moins riches, d'ailleurs, eh ben, ils veulent pas que ça ruisselle. Ils veulent pas redistribuer via leurs impôts. Donc ils vont planquer ça à l'étranger. Mais après, ça va aller faire des spectacles pour dire aux smicards de donner les sous pour les gens qui sont au RSA. On vous aime. Cœur sur vous, avec des mains dans la gueule. Ça se voit qu'il m'énerve ou... Non, un petit peu quand même. Salut, Fétilouette. Oui, c'était normalement prévu pour un seul hiver, les Restos du Cœur. C'était une opération d'urgence. Des riches qui demandent à des pauvres de donner, c'est ça. Ah, ça a ruisselé sur toi, fluide. Ah bah, super. Un abo chez Lex. Allez. Non, ils ne donnent pas de leur temps, ils se font offrir du temps d'exposition ainsi qu'une belle image. Oh, tu vois les choses de façon tout à fait cynique. Moi, je suis sûre que c'est par pure générosité. Les fourches ont la cote. Il y a Gali qui fait du placement de produits. Joli. Ça marche, le capitalisme. Ouais. J'ai préféré cotiser en passant par Utip plutôt que filer les thunes à Jeff. Cœur dans la gueule. Oh, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup, Floé. Cœur dans la gueule. Celle-là, je l'adopte. Cœur dans la gueule. Ah ouais. Nourri loger le luxe pendant les tournées. Non. Ben non, ils vont dans une auberge de jeunesse, non? Et chez Flunch? On compte sur vous, oui. On parle de Monsieur Poker qui joue 1 million dans une partie, ouais. Tu parles de ce monsieur responsable d'agression sexuelle, c'est ça? Salut Pigbull Mister. J'arrive cœur sur vous et main dans la gueule, j'adore. Ah non, mais cœur dans la gueule, c'est encore mieux. Ouais, ça claque, hein, ouais. La reine de cœur, qu'on leur coupe la tête. Le respect est mort le jour de sa naissance. Oui. Allez, continuons. Mais si vous n'avez pas eu l'impression que ces gens-là m'énervaient un petit peu,
je suis contente parce que j'essaie d'être discrète et de ne pas trop montrer mes opinions. Donc si ça s'est bien passé, guillotine. Le ruissellement comme un arracheur de sang dans... Oh, c'est joli aussi, ça. Enfin, les lois de décentralisation vont confier une grande partie de ces missions aux collectivités locales, et plus particulièrement aux conseils généraux, devenus depuis conseils départementaux. C'est Valls, hein, conseils départementaux, quand il a fait le redécoupage, pensant des bureaux de vote, pensant que ça allait favoriser la gauche. Enfin, le PS. Et en fait, pas du tout. Et mince, je suis encore tombée sur une chaîne neutre et apolitique. Oui. Ici, c'est apolitique de Malherbe. C'est important, la neutralité. Ça se voit pas que je les aime pas. Ok, super. J'étais un peu inquiète. Hein. J'avoue, j'étais un peu inquiète. Ce qui, au niveau de l'action sociale, va multiplier les responsabilités dans les financements et les mises en œuvre, et celle de l'intervention des acteurs. Pas les facteurs, enfin ils peuvent intervenir les facteurs s'ils veulent, mais là dans la phrase c'est marqué acteurs. Qui doit faire quoi ? Exemple, personnes âgées, soins et hébergement ou secteur handicap. Eh ben merci à toi Axomp, à bientôt. Attention, changement de page. Neutralité, invocation, barmiche, drapeau carré. Ah non, mais non, sentier battant. Non, mon pseudo, je l'ai trouvé par hasard. J'avais un sac de tu sais, des pièces de Scrabble. J'ai pris des lettres et paf, ça. Comme ça. Ce n'est absolument pas une indication quant à mes opinions. C'est un heureux hasard. Non, merde, pas heureux hasard, sinon ça veut dire que je suis de gauche. C'est un curieux hasard. Alors, les éléments techniques. D'une manière générale, il y a trois profils et trois modèles dans l'histoire des professions. Le vocationnel, le militant et le technicien. Vu comme ça, tout de suite, moi, le technicien, j'ai pas envie d'avoir affaire avec lui. Synchronicité, oui, totalement. La nomenclature des professions dans ce secteur énonce de nombreuses qualifications. L'INSEE y regroupe principalement des personnels de ce niveau intermédiaire, chargés de dispenser des soins ou une assistance aux personnes qui éprouvent des difficultés en matière de santé ou d'insertion sociale. Cette liaison entre social et la santé est le produit de l'héritage historique, où les problèmes que pouvaient rencontrer les populations relevaient de l'hygiène et du médical. Elle perdure, le médico-social pour les enfants et les personnes âgées, par exemple. Alors, normalement, je dis merci pour le follow, mais là, un pseudo, le Patriote FR. Je sens qu'on va avoir droit à la commande une troisième fois aujourd'hui. Sans vouloir te faire de procès d'intention. Peut-être que toi aussi, tu as sorti au hasard des lettres de scrap d'un sac et ça t'a donné ton pseudo. Tout comme moi. On verra. Des lettres de scrap et paf, ça fait des gauches à pic. Oui. On a eu deux fois l'alerte et deux fois du flingage. Refaire une parodie de Santa Barbara et l'intituler Santa Barbara la gauchiste. Ce serait excellent. Franchement, il y a des trucs à faire avec ça, ouais. Tu te sens concerné par le technicien. Alors, bah, le technicien dans le social, enfin, c'est peut-être moi qui interprète mal, mais ça donne l'impression
de la personne qui se contente d'appliquer les textes sans mettre d'humain derrière, quoi. Non, mais c'est juste qu'il y a des mots qui font un peu red flag, mais ça peut être fait exprès pour troller, je veux dire. Techniciens, c'est des prolos, non ? Faut les défendre si on est de gauche, non ? Oui, alors ça peut être du prolo qui se trompe. Hein. Ça peut être du prolo qui se trompe. Alors, l'expliquer dans le sens où Barbara la gauchiste, c'est parce que mon prénom c'est Barbara et je suis de gauche. C'est pas vrai que j'ai tiré les lettres au hasard, des lettres de Scrabble d'un sac et que ça a formé mon pseudo par une chance incroyable. C'est en fait, j'ai choisi mon pseudo. Donc, je continue nonobstant. De ce fait, les travailleurs sociaux exercent sur plusieurs domaines. L'aide sociale, avec comme métier phare celui d'assistant de service social. Dans l'histoire, ce métier, qui a été le premier à se voir reconnu en 1932, une qualification avec un diplôme d'État, ce que j'ignorais... Oui, Floé, je suis de gauche. Allez, je le dis. Je sors du placard. Oui, Golavier, on a le droit d'être technicien et privilégier l'humain à être de gauche. On a le droit. Je suis déçu, si c'est ça, je me casse. Ouais, choqué and follow. Je pensais que ça parlait du gauchissement des structures aluminium sous l'action des UV en milieu hypobare au mensonge. Ah, t'as eu un doute avec le verfi ? Non, alors là, c'est une coïncidence aussi, c'est que tous les verres de festoche que j'ai, il y a des trucs insoumis dessus. Je sais pas pourquoi, c'est super bizarre en fait. Je sais pas pourquoi. Puis je l'aimais pas du tout en valeur en plus. S'il a mis tes crampons. Attends, j'ai raté un truc de Pibble Mister. Ah oui. Donc, y continue. Les visiteuses familiales ayant laissé la place à des personnes qui prenaient en charge la question de la santé et de l'hygiène. L'éducation spécialisée auprès d'enfants ou d'adultes en situation de handicap, d'enfants placés, d'adultes en situation de précarité. Les services à la personne avec les métiers d'accompagnement éducatif et social, de techniciens de l'intervention sociale et familiale. Santé aussi, service à la personne, non ? Ah mais oui, non, du coup, ça fait pas partie des mêmes services. Pardon, autant pour moi. Ça reste social, mais ça passe du côté service santé, en fait. Le développement local, médiateur social, l'insertion professionnelle, donc chargée d'insertion, comme le nom l'indique, l'accompagnant éducatif et social, AES, a pour mission de réaliser... Oh, j'ai pas changé la page. Hop là. A pour mission de réaliser une intervention sociale au quotidien visant à compenser les conséquences d'un manque d'autonomie, quelle qu'en soit l'origine ou la nature. Il prend en compte les difficultés liées à l'âge, à la maladie, au mode de vie ou les conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité pour permettre à la personne d'être actrice de son projet de vie. Et là, je vois qu'on approche des 3 heures. On ne finira pas le chapitre. Hop. Là. Donc, on en était là.
On en était à la page 48. Est-ce que... Oui, eh ben... salut le facho. C'est marrant comme ils aiment pas non plus quand on fait pas attention à eux. Ceci dit, trois dans le même stream, je crois qu'on est sur un record là. Oui, ils s'ennuyaient beaucoup. Bah oui, parce qu'on parle de trucs sociaux, tout ça, machin. Les fachos, 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 les fachos, les fachos, des fachos, fachos, les fachos, fachos, les gros fachos, les fachos, les fachos, 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 fascistes, 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 fachos, fascisme, fascisme, fachos, fascisme, fachosphère, les fachos, les fachos, les fachos, le fascisme, fascisme, fascistes, fachos, antifascistes, fachos, antifascistes, antifascistes, les vrais fascistes, 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 on est chez nous, territoire fascisme, fachos, bus, fachos, les fachos, fachos, fascistes, fachos, les fachos, fascistes, fachos, fascisants, les fachos, les gros fachos, les putains de nazis, fachos, fascistes, et ben on va traiter tout le monde de fachos, fascistes, les fachos, les fachos partout et fachos partout. Du coup, il y a des fachos partout. Fachos. Bon alors, les fachos. Fascistes en puissance. Fachos. 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 Fascistes. Les fascistes. Fascistes. Les fachos. Les proto-fascistes. Les fachos. Beaucoup de fascisme. Fascisme. Fachos. 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 Fachosphère. Fachos. 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 Du fascisme. Fachosphère. Non fachos. Pas fachos. Une vraie spécho fascisante. Fachos. Fachos. Le fascisme. Fachos. 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 Vieux fachos. Fachito. Fachito. Fachos. Fachos. Fascisation. Fascisme. Fascisme. Fachos. Fascisé même. Fascisé, oui, on peut le dire. Fasciste. 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 Le fascisme. Le fascisme. Les gros fachos. Oh, fachos. Fascisme. Fachos. Fachis et fachos sont dans un studio. Facho. 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 La menace fasciste. Fascisme. Fascisme. Néo-fasciste. Facho. Antifasciste. Facho. J'ai pas dit facho encore depuis le début. Incroyable. C'est fou. Facho. 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 Grosse tête de facho. Les fachos. Facho. Facho. Les fachos partout. Facho. 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 Les fachos. Facho. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui, un petit peu. Masterclass. Salut Silla 700, bienvenue, merci pour le follow. T'arrives pile au bon moment. Alors, je remonte un petit peu, hein. Pas bisous, bah non, pas bisous le facho. Manque d'amour, cœur dans sa gueule, ouais, ouais, ouais. Genre, reste là pour nous espionner, on s'en fout de toi. Ouais, mais ouais, je crois que c'est ça qu'il faut faire, en fait. Ne pas leur accorder de temps et d'énergie. C'est en fait... Je crois que je vais même plus leur répondre. Bah merci à toi, Sentier Battant. J'espère que l'imitation t'a plu. Alors, Gali, en fait, c'est un peu de la triche. Normalement, c'est pour dire « Hey, y a un facho dans le chat. » Qui a oublié de mettre son aimant à facho de côté avant d'entrer ? Alors oui, oui, c'est important. Mais c'est ma faute, je le répète pas assez souvent. Moi, je vous demande pas d'essuyer vos pieds avant d'entrer dans le chat, ça on s'en fout, hein, de toute façon. Mais par contre, oui, si vous pouvez ranger votre aimant à faf, qu'on puisse être peinard. Les fachos, c'est mieux que les fafrois et Shadok qui arrive sur un jeu de mots. Poudoumtchi. Non, les fachos, c'est mieux que rien. Parce qu'il n'y a rien de pire. Et salut, Bratatak. C'est bizarre, ça me fait du bien. Bah nous, ça fait trois fois aujourd'hui. Hein. Donc, j'avoue que... J'ai pas entendu Bourgeois une seule fois dans ce montage. Elle a changé Ursule. Alors, c'était un montage très légèrement orienté. On peut les laisser rester, mais pas les laisser détourner le débat. Ah non, les laisser rester, non, par contre. Hein. À partir du moment où ils sont repérés, il faut que ça dégage. Pas déconner non plus. Hein. Salut, Silla, merci. Ils peuvent être convaincus? Non. Non, non, le vrai facho, il sera pas convaincu. Non, non. Non, 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 clairement pas. Alors, Boutotom, bah du coup, je vais le...
le lien que tu me donnes, je le mettrai de côté. Parce que là, bah, je commence à avoir mal. Mais je note. Merci. Ils viennent clairement pour ne faire rien que les énerver. Ça doit les énerver bien plus que lorsqu'on démonte leur pseudo-argument moisi. Oui, on ne discute pas avec un facho. On le dégage. On ne discute pas avec une brouette. On la pousse. Ça, c'est la copine Babette qui est venue l'autre jour qui dit ça. Ah oui, ça fait deux Scylla dans le chat, dis donc, c'est vrai, j'avais pas tilté. Autant essayer de faire boire un âne qui n'a pas soif. C'est ça. Si je commençais à regarder, après la chanson, ce qu'on va faire comme raid. Ou si vous avez des idées. J'aurais tendance à partir chez Eva. Mais égoïstement parce que le thème m'intéresse. Non mais c'est parce que Scylla Osa, on l'appelle Scylla. Non, ça, c'est avec les gens qui auraient tendance à voter pour eux, mais en se plantant, qu'on peut discuter, Shadok. Mais c'est pour ça que je parlais des vrais fachos. Le type qui se pointe avec un pseudo le patriote FR, non. Non. Par contre, quelqu'un qui se plante en disant ouais, mais quand même, moi j'ai le SMIG et je galère, alors bon, ce qui gobe ce qui est dit dans la télé des riches, moi je galère avec mon SMIC et bon je vois les gens en RSA, les chômeurs, machin, tout ça. Là, c'est pas du facho, c'est quelqu'un qui se trompe. Ces gens-là, on peut discuter avec eux. Par contre, si la personne rajoute « Ouais, puis de toute façon, les gens en RSA, c'est des Arabes !» Non. Là, on discute pas. Parce que l'image, je le dis souvent, mais l'image... du pigeon et du jeu d'échecs, on joue pas aux échecs avec un pigeon, parce que le pigeon, toi tu vas respecter les règles, le pigeon il va foutre les pièces par terre, il va chier sur l'échiquier, puis il va se promener comme ça comme s'il avait gagné. Bah là c'est pareil. Et laisser rester, c'est risque d'encore voir leurs propos discriminatoires. Oui, en plus tu démontes juste le pseudo, sauf si le Scrab fait des miracles, c'est ça. J'avoue qu'avoir une piñata sur laquelle taper dans le chat, ça me faisait plaisir pour me défouler. Ah bah pour ça, vraiment, vraiment si tu aimes, il y a Twitter. Hein. Là, c'est open bar. Hein. tu fais remonter ton... Enfin, descendre ton fil Twitter. Normalement, dans les 10 premiers trucs, il va y avoir un truc de facho qui aura répondu à quelqu'un qui est dans tes contacts. Il y a de fortes chances. Pas discuter, il faut leur jeter des cailloux et puis c'est tout. Discuter avec eux, c'est perdu dans l'avance, Brandolini, tout ça, oui. Oui. Et en plus, oui, il y a l'histoire de la visibilité. Si c'est quelqu'un qui a moins de visibilité que toi, tu discutes avec cette personne, paf, ça fait remonter mécaniquement sa visibilité. Ça, sur les réseaux sociaux, c'est important. Merci, Chiv ou Chivé, je sais pas. Merci pour le follow, bienvenue. Tu arrives au moment de la chanson d'avant la fin. Donc, est-ce que vous voyez bien comme ça? Non, il faut que je décale un peu. Ce sera mieux. Tac. Alors, je vais m'éclaircir un petit peu la gorge, comme à mon habitude. Et pour les fachos, et ben c'est cœur, mais dans la gueule. Donc c'est un jeu de Carpates. Je vais peut-être avoir un peu de mal à la chanter. Parce que... ici. Maman m'a montré un jeu quand j'étais tout petit.
Tu vas voir, c'est très marrant, on va changer de pays. Chez nous, c'est pas facile, notre cabane est en bois. On va prendre un bateau, y a pas de place pour papa. C'était très rigolo, les gens jouaient à tomber dans l'eau. Je sais qu'ils faisaient semblant, je sais, je suis pas idiot. Maman m'a montré un jeu quand j'avais mal au ventre. Tu vas voir, c'est très marrant, on va jouer à attendre. Quand on sera arrivé, tu mangeras tous les jours. On gagnera plein d'argent pour faire venir papa un jour. De l'autre côté de la mer, on a couru sur une plage. Il y avait les sirènes de police. On s'est caché sous les branchages. Maman m'a montré un jeu. Faut se trouver un abri. Tu vas voir, c'est très marrant. On va camper la nuit. Il y avait plein de gens comme nous qui jouaient à cache-cache. On s'est fait une cabane dans un tuyau avec des bâches. Et puis toute la journée, on attendait près des feux rouges. On lavait les voitures, toutes les voitures avant qu'elles bougent. Maman m'a montré un jeu, il faut se trouver de l'argent. Tu vas voir, c'est très marrant, faut tendre la main aux gens. Elle rentrait pas souvent, elle travaillait le soir. Elle se faisait très belle pour attendre sur un trottoir. Moi j'aimais pas trop ça quand elle montait dans les voitures avec des gars bizarres qui lui faisaient des égratignures. Maman m'a montré un jeu, faut se trouver des papiers. Tu vas voir, c'est très marrant. On va jouer à se cacher. Les flics nous ont trouvés, ils ont cogné sur nos têtes. Je savais bien que c'était qu'un jeu, alors j'ai pas fait la mauviette. J'ai pas pleuré quand on nous a attachés dans le fond d'un avion. J'ai compris qu'on avait gagné au grand jeu de l'immigration. Ça a été dur de finir. Magnifique chanson. Grande baffe dans la tronche aussi, on va pas se mentir. Mais j'adore cette chanson. Ouais, dure et belle. Vraiment. Et je crois que c'est la première fois que j'arrive à la chanter en entier sans... Donc c'est un petit exploit pour moi. Hop. Oui, c'est Carpath. Je vais même vous donner le lien. Hop là. Parce que la musique aussi... Et très joli. Carpath très sympa en concert. La chanson, elle est de que je dise pas de conneries. 2011-2012, je crois. Salut les marxistes, merci. Donc je prépare le raid. Hop. Et on va faire comme ça et comme ça. J'ai l'impression d'être Jean-Michel Jarre, j'ai des trucs à gérer de tous les côtés. Quoi qu'il en soit, et comme tous les jours, merci d'être venu, merci d'être resté.
Demain, rendez-vous 14h30 avec Ankara, mon invitée, qui est militante anti-grossophobie et qui est aussi super copine depuis des années, je l'adore. Et ça me fait plaisir d'avoir une bonne raison de l'inviter. Donc vraiment, vraiment très très active et puis adorable. Et puis de toute façon, c'est ma bibiche. Et puis voilà, voilà. Et puis c'est tout. Puis c'est comme ça, puis c'est pas autrement. J'ai envie de dire. Lundi, on recevra Yann Godin, le lanceur d'alerte de Pôle emploi. Cœur sur vous avec des fourches et des filles. Restez de gauche. Cœur sur la gueule pour les SACAM. Cœur dans la gueule, pardon, pour les SACAM. Et bien évidemment, on n'oublie pas que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Bye bye.